Ah, une nouvelle année commence, la perspective de tenter de nouvelles choses, de jouer à plein de nouveaux jeux, de vous voir manifester devant ma maison avec vos pancartes aussi divertissantes qu'inutiles. D'ailleurs, vous allez bien, cher public vous êtes prêts pour cette nouvelle année Non, oh, ça va être une sacrée année Le mois de mars va connaître un gigantesque embouteillage de grosses sorties, car il est bon de rassurer les investisseurs juste avant de boucler l'année fiscale Le 3 va être spectaculaire Les annonces vont pleuvoir deux semaines avant l'événement à travers des fuites sur les réseaux sociaux Electronic Arts aura Battlefield machin truc Activision Call of Duty truc muche Ubisoft... Watch Dogs 3, puisqu'il faut bien faire un tournus de grosse licence de fin d'année avec Assassin's Creed. Il va y avoir plein de scandales sur les conditions de travail dans les gros studios AAA sans que l'on ne puisse trouver un modèle alternatif viable. La Switch va voir son catalogue se remplir avec des jeux vieux de 5 ans vendus au prix fort, ce qui ravira son public. Elle continuera à être la console rêvée pour tous ceux qui ne possédaient pas de Wii U. Et FIFA va une nouvelle fois dominer les charts et ne sera battu que par Red Dead Redemption 2, je suppose. Ça n'est pas réjouissant tout ça Hein Mais je suis sûr que nous serons surpris par plein de chouettes jeux qu'on n'attendait pas forcément. Donc réjouissons-nous de ce que l'on ne sait pas encore. C'est ce que je voulais dire par là. Mais auparavant, il faut bien combler le traditionnel vide de janvier. C'est donc déjà l'heure du rattrapage. Un jeu semblait bien entendu sortir du lot. Le remake de Mario et Luigi Superstar Saga, bien entendu. Et vous ne devinerez jamais pourquoi. Parce qu'au fond de toi, t'es qu'un gros paresseux et que tu pouvais ressortir les dessins de Mario que t'as déjà fait? Alors. Oui. Mais... Mais non Votre théorie n'est qu'à moitié vraie, cher public Parce que oui Je ne suis au fond de moi qu'un gros paresseux qui préférerait transformer son fauteuil en source intarissable de revenus financiers. Mais non, car voyez-vous J'ai une relation assez particulière avec la série des Mario et Luigi. Je les ai tous faits. De A à Z, même si je ne vous en ai jamais parlé. C'est un peu mon plaisir coupable, ces jeux de niche auxquels je joue sans en parler à personne. Je les avais tous faits, sauf justement Superstar Saga, l'épisode original sorti en 2003 sur Game Boy Advance. Qu'est-ce qui rend cette série particulière, me demandez-vous eh bien, je trouve qu'elle ne ressemble à rien d'autre que je connaisse, mis à part Paper Mario, la porte millénaire. Et j'adore la porte millénaire. Mario et Luigi, c'est un mélange intéressant d'humour absurde, d'irrévérence bienveillante envers Mario et son univers, de RPG, de jeux de plateforme et de jeux de rythme. Le tout souvent ponctué par d'énormes longueurs, mais passons. D'ailleurs, j'espère que vous êtes content que je traite finalement un RPG japonais. Ben quoi C'est un RPG, il est japonais. Mais vous voulez quoi au final Hein Hein la particularité de ces jeux est donc que l'on incarne simultanément Mario et Luigi, qui ont chacun leur bouton d'action respectif. Les phases d'exploration offrent un mélange de plateformes et de petites énigmes que l'on résout grâce aux nouvelles compétences acquises tout au long du jeu, et les combats se font au tour par tour, mais avec la participation active du joueur qui doit appuyer avec le bon timing sur les boutons pour lancer ses attaques ou alors se défendre. Mais cela marche très bien. Même si après 5 épisodes de combats très similaires, je commence à sérieusement en avoir marre et à les faire au pilote automatique. Superstar Saga est souvent considéré par beaucoup comme le meilleur de la série. Mais je pense que je suis également de cet avis, même si je l'ai fait en dernier. Difficile de mettre exactement le doigt sur ce qui fait la différence, mais je crois que c'est son rythme, parfaitement maîtrisé, et qui ne laisse jamais aux joueurs l'occasion de s'ennuyer. Tout s'enchaîne à toute vitesse, toutes les compétences supplémentaires que l'on débloque sont utilisées dans des énigmes jamais trop simples pour qu'on les passe du premier coup, mais jamais trop compliquées pour que l'on croche dessus trop longtemps. Le jeu alterne parfaitement phase narrative, phase de repos, phase de combat et de level up, et phase de recherche et énigmes pour une progression qui, 15 ans après, est pour moi un modèle du genre. Mais l'autre aspect que j'aime dans cette série et que Superstar Saga manie avec grâce, c'est son écriture, ou plutôt toutes ses idées loufoques qui s'enchaînent. Cette façon de créer un univers Mario étendu, où le royaume champignon n'est qu'un royaume parmi d'autres, où Mario et Luigi ont un petit chez eux, depuis lequel ils mènent leur petite existence paisible et réalisent leur... Fantasme homo érotique incestueux Ou pas bah, C'est mieux. Ou Bowser est un loser aussi puissant que pathétique et opportuniste. Je sais pas. Je trouve que, comme pour Paper Mario, l'univers de Mario et Luigi fait sens sans jamais n'en faire aucun. Comment faire un univers cohérent, nécessaire à tout bon RPG, alors que celui de Mario a été principalement créé de manière fonctionnaliste, avec le gameplay en tête c'est simple, il n'y a pas de règle, on peut faire ce qu'on veut. Alors les scénaristes semblent s'amuser comme des gamins et sont donnés à cœur joie. Au passage, pour ce qui est de l'intrigue du jeu, l'ambassadeur du royaume de Vegesia vient en visite diplomatique apporter un cadeau à la princesse Peach, mais il s'avère en fait être un imposteur venu lui dérober sa voix et la remplacer par des objets explosifs à l'intérieur d'un phylactère. Une idée fort amusante d'ailleurs. Et qui c'est donc qu'on appelle Mario, bien entendu, qui va faire équipe avec un Bowser venu à l'origine enlever la princesse Peach, mais que la situation inquiète finalement au plus haut point. Ce dernier embarque Luigi de force, et c'est parti pour retrouver la voix de la princesse au royaume Vegesia lors d'un grand n'importe quoi d'une vingtaine d'heures. Alors, oui, les combats deviennent redondants et barbants à la longue. Oui, le jeu est clairement trop facile et il manque au combat un aspect plus stratégique. Et oui, on ramasse beaucoup trop d'objets dont on n'a pas besoin vu qu'on a tendance à rouler sur l'adversité. Et ce sont des problèmes qui vont d'ailleurs rester dans tous les autres épisodes, ce qui est quand même dommage. Mais je ne peux m'empêcher de trouver qu'il se dégage de Superstar Saga, une bonne humeur communicative. Un jeu fait avec Sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. C'est une affaire de petites choses, comme par exemple le fait que Mario et Luigi s'expriment uniquement dans une espèce de charabia italophone incompréhensible pour le joueur. Ça fait maintenant 5 jeux que ça dure, et je trouve ça toujours aussi bêtement amusant. Cette façon de jouer de manière irrévérencieuse, mais en toute bienveillance avec les aberrations logiques de l'univers Mario, je trouve ça vachement drôle. Et finalement, ma théorie sur cette série, qui ferait mieux maintenant de s'arrêter car je crois que Nintendo a usé la chose jusqu'à la corde, et que si l'on prenait toutes les bonnes idées de gameplay, d'écriture et de situation de tous les épisodes et qu'on en faisait un seul jeu, ça serait l'un des meilleurs jeux au monde. Donc je propose à Nintendo de faire ça et ensuite de faire bosser les développeurs d'Alpha Dream sur quelque chose d'autre après 15 ans de bons et loyaux services. Parce qu'ils doivent certainement avoir des tas d'idées pour d'autres concepts. En attendant que cela se produise, sur tous les jeux de la série, c'est Superstar Saga que je vous recommande. Un jeu qui sans être un chef-d'œuvre montre une maîtrise impressionnante du début à la fin. 20 heures à la fois drôle, rythmé et complet absurde donc tu critiques les remakes plouf mais tu nous recommandes d'acheter un remake alors c'est à moitié vrai ça cher public <coughs> voyez vous ah, les JRPG. Je décrirai ma relation avec eux comme courtoise, tout en étant distante. On a un certain respect mutuel l'un pour l'autre, et je sais parfaitement de quoi ils sont capables, mais il y a toujours ce problème de. Euh, salut, tu veux être mon copain pour les 70 prochaines heures, et on fera des trucs de copains ensemble. Hmm. Je ne sais pas trop, JRPG. Passer des dizaines d'heures sur un jeu est plus quelque chose qui m'arrive par accident. Je ne le planifie pas à la base. Comment pourrais-je savoir si ta compagnie en vaut la peine Hmm. Mais je veux juste être ton copain. Hmm. Bon allez, je vais faire une exception. J'ai donc décidé de liquider toutes mes obligations en avance et de passer 6 jours complets durant lesquels je n'avais d'autre chose à faire que jouer à Xenoblade 2. Et prendre des douches, bien entendu. L'hygiène corporelle, c'est important, paraît-il. Sans avoir pour objectif de le terminer, d'ailleurs. Juste de voir ce qu'il allait m'offrir. Et pour ceux qui me reprocheraient de critiquer un jeu que je n'ai pas terminé, eh bien... Il va falloir que vous résolviez la chose par vous-même. Mmh. Les JRPG c'est avant tout une histoire de groupe. Xenoblade 2 nous raconte ainsi les aventures de Rex, un jeune orphelin possédant l'armure la plus inutile du monde et qui pourrait ou ne pourrait pas être l'élu. Surprise, de Pyra, une jeune femme au nibar plus gros que sa tête et dont la compréhension du terme s'habiller lui promet de bientôt souffrir d'infections urinaires chroniques, de Nia, une autre jeune femme qui croit qu'elle est un chat, de Dromark, un véritable chat, ou tigre, ou félin à fourrure blanche doté de la parole, de Tora, sorte d'œuf de Pâques poilu trokawaii et d'un robot nommé Poppy. Aucun doute, on est dans un JRPG, mais il ne manque plus que le jeune homme ténébreux tout droit sorti d'un boys band de J-Pop et le type aux cheveux blancs adepte des carnavals vénitiens du XVIe e siècle du futur de l'espace et on aurait un score par non, c'est les méchants du jeu. Autant pour moi que Xenoblade 2, c'est l'équivalent JRPG d'un carré d'as. Mais notre groupe d'aventuriers va entreprendre un incroyable voyage à travers des royaumes construits sur des énormes bestioles qui flottent sur une mer de nuages, avec pour objectif final de grimper en haut d'un arbre gigantesque. Bien entendu, histoire que le jeu ne dure pas que 10 heures, ils vont devoir prendre part aux conflits politiques et militaires des royaumes qu'ils traverseront par la force des choses. Cela va leur permettre d'en apprendre plus les uns sur les autres, de révéler et d'accepter leur passé souvent tragique, et d'évoluer tous ensemble pour découvrir finalement ce qui se cache en haut de l'arbre. Et peut-être aussi pourquoi certains personnages féminins ont oublié leurs sous-vêtements dans leur armoire. Euh, je n'ai pas envie de passer pour un donneur de leçons, hein, mais cette espèce de mise en avant de la chair féminine que propose Xenoblade 2. C'est de l'humour, en fait. Parce que cela ne crée chez moi qu'un certain embarras. L'impression d'être un pervers caché derrière un buisson, à observer les coulisses d'un concours de cosplay féminin. Et c'est pas vraiment ce que je souhaite qu'un jeu vidéo me transmette comme impression. Il n'y a d'ailleurs pas que dans les accoutrements que j'ai été confronté à de profondes divergences culturelles. On a par exemple l'inévitable blague de Rex, qui se retrouve la tête entre les denibars de Pira en dormant, créant un moment de confusion. Oh, tellement hilarant. Ou alors lorsque Pira sert le thé à tout le monde et qu'on lui reproche de ne pas le faire de manière suffisamment, je cite, Blushy crushy Je suis pas sûr de ce que c'est, hein, mais il paraît que cela fait se jeter les hommes à ses pieds. Hmm. Peut-être que madame en saurait plus à ce sujet. D'ivoire, voir, femme Tu pourrais être un peu plus blushy crushy, histoire que je me jette à tes pieds hmm, Ton manque de coopération s'avère des plus décevants. Bref le principal thème du jeu est que les personnages fonctionnent par tandem. Les lames de Xenoblade 2 sont toujours associées directement à un être vivant immortel qui réside dans un cristal. S'il se lie avec un humain, les voilà unis envers et contre tout jusqu'à ce que l'humain trépasse. Mais ces êtres vivants peuvent être des meufs peu vêtus comme des monstres aliens, une sorte de version JRPGesque de Chatroulette, voyez-vous Mais le jeu m'a parfois donné l'impression de ne pas avoir clairement établi les contours de ce principe. Donc, Xenoblade 2, une lame peut servir de lame, ou aussi avoir une lame, alors que seuls les humains peuvent se lier avec des lames. Et un humain peut parfaitement débuter une romance avec une lame. Et ça donnera quoi des, des bébés humains Des bébés lames Des hybrides Pourquoi faire des usines qui mélangent les cellules humaines et lames dans ce cas et on peut romancer toutes les lames ou seulement les meufs sans sous-vêtements Parce que ce pauvre monstre alien, j'ai bien peur que personne ne veuille faire des bébés avec lui. Mes protégés ont donc passé le plus clair de leur temps à se balader de ville en ville dans des gigantesques environnements, aussi uniques que magnifiques. Et à se friter avec les créatures qui les peuplent, grâce à un système de combat qui requiert la participation du joueur de manière, euh, disons, relative. On contrôle grossièrement un personnage sur les trois que compose un groupe de combat, et ce dernier effectue avant tout des attaques automatiques, alors que, de temps en temps, le joueur a le droit de contribuer en lançant une attaque spéciale. Je ne doute pas que certains d'entre vous vont me contredire, mais j'ai un peu du mal à y trouver un réel intérêt stratégique. L'impression qu'il me donne est que l'issue d'un combat se décide uniquement par rapport au niveau de notre adversaire, et pas grand chose d'autre. Ce qui donne des combats qui, sans être inintéressants, paraissent souvent plus bordéliques et longs qu'autre chose, tant les ennemis sont des sacs à PV, et la surenchère d'effets visuels et de personnages à l'écran est violente. En plus, il y a tellement de choses à passer en revue pour gérer ses armes et combattants que cela donne presque le tournis choisir ses lames, choisir ses objets d'équipement. Choisir ses objets à mettre dans le sac, upgrader ses attaques spéciales, forger des joyaux qui permettent d'augmenter les capacités des lames, et j'en passe! Tout ceci pour des combats qui semblent ne requérir ma contribution que de temps en temps. Je sais pas. Le jeu comporte d'autres éléments perturbants relatifs au combat, comme le fait que des ennemis puissent soudainement venir s'ajouter à celui que l'on est en train de combattre, sans parler des incohérences de taille et de niveau, alors qu'on est en train de triompher d'une grosse bestiole, c'est alors que. Oh mon dieu, les lapins de niveau 40 nous attaquent! Courez! 好好好好 Et puisque j'en suis à parler des combats, quand je bolosse sa race à un boss, Xenoblade 2, j'attends de toi que tu prennes cela en compte lors de la cinématique qui suit, et pas qu'elle montre mes petits protégés en train de se faire malmener par un boss qui n'a pas l'ombre d'une égratignure. Un peu de constance et de cohérence entre gameplay et narration, que diable Ce serait un euphémisme de dire que Xenoblade 2 est un jeu riche d'une quantité incroyable d'éléments différents, ce qui apporte inéluctablement de l'eau à mon moulin pour les critiquer. Mais j'avoue avoir passé six jours assez inoubliables en sa compagnie. Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point le jeu s'est avéré être ce à quoi je m'attendais. Vu que c'était un JRPG, j'espérais voir un univers original avec un background profond, des environnements énormes aussi uniques que magnifiques, une dynamique de groupe bien construite, un ton variant entre amusant et tragique, des dialogues bien écrits, des personnages attachants et une bande-son d'une divine beauté. Et j'ai eu tout ça, sans exception. Bien sûr, j'aurais douté aussi d'y trouver un caractère design des plus étranges, des combats nombreux et interminables, des systèmes d'équipement et de gestion bien trop nombreux et complexes, des pics de difficultés, des quêtes annexes sans intérêt et une collectionnite d'objets inutiles ou presque. Et j'ai eu tout ça aussi. Donc je suppose que c'est un véritable jackpot pour Xenoblade 2 qui est tout ce que j'aime et redoute d'un JRPG. Le finirai-je un jour Non oh, que oui. Parce qu'après 55 heures, même si j'ai dû le laisser alors que je butais inlassablement sur un combat contre le membre du boys band ténébreux, ben je me suis attaché à tout ce petit monde avec leur passé tragique et leur détermination sans faille. J'ai envie de tous les emmener au sommet de cet énorme arbre comme on emmènerait ses neveux à Europa Park. Il faut ainsi croire que tu valais bien tes dizaines d'heures, Xenoblade 2. Oh, oh merci, oh je suis content qu'on soit devenu copain. Mais moi aussi, moi aussi, voilà, gentil, gentil. Oh, tu sens pas très bon. Vous vous souvenez lorsque Capcom avait pour stratégie de faire des jeux qui ciblaient avant tout le public occidental Ces attardés qui aimaient les TPS fadas avec système de couverture, les quick time events misérables et les blagues à la con. Bon Dieu que je suis content que vous soyez sortis de cette horrible période, Capcom. Elle qui aura définitivement atteint son apogée avec Resident Evil 6. Mais s'il y a bien une série de Capcom qui n'a jamais vraiment été développée avec le public occidental en ligne de mire, ben c'est bien Monster Hunter. Ah, Monster Hunter. Certains diraient qu'il s'agit de la lutte sans merci pour la place. Au sommet de la chaîne alimentaire est dominé une nature hostile et sans pitié. Du combat à mort de l'être humain contre des créatures mille fois plus puissantes, mais grâce à l'apprentissage cognitif, l'observation et l'exécution sans faille, l'impossible devient soudainement possible. Mais les plus cyniques d'entre nous affirmeraient qu'il s'agit là simplement du grand classique Loot Grind, Loot Grind, Loot Grind, Loot Grind, Loot Grind, Loot Grind, et qu'au bout d'un moment on se dit Hmm. Il me semble avoir suffisamment looté aujourd'hui, pas vraiment envie de grinder davantage, avant d'éteindre sa console et de vaquer à ses occupations quotidiennes. Non, je vous aime bien les cyniques, vous êtes rigolos, bien qu'une telle analyse soit quelque peu... Hum, réductrice, d'autant qu'il y a quand même une trame narrative dans Monster Underworld. Et vu qu'on parle de narration, petite parenthèse. Capcom, pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de croire que les gens ont des écrans collés à leur visage ou possèdent des écrans de cinéma dans leur salon parce que je déteste devoir prendre des jumelles pour pouvoir déchiffrer ce qui s'affiche à l'écran sur cette interface fouillée et minuscule qui donne mal au crâne, d'un bon entendeur, parenthèse refermée. On incarne donc un être atteint de profonde carence linguistique et qui s'exprime uniquement en hochant la tête, accompagné par bah l'un des personnages les plus insupportables que j'ai pu voir ces dernières années dans un jeu vidéo, qui sont bons vers le nouveau monde en proie à d'étranges phénomènes provoqués par un gigantesque dragon. Mais comment faire pour résoudre ce mystère Eh ben tuer les monstres de l'île, bien entendu Non mais ces monstres Réclamer comme ça la supériorité de leur espèce et leur position au haut de la chaîne alimentaire Mais ils se prennent pour qui Pour des humains on va donc prendre part à des missions de chasse et faire petit à petit le ménage dans la faune locale, le tout au nom de la science. Non, voilà un bon prétexte. Regarde, créature gigantesque Je suis en mission pour la science Le tout fait d'ailleurs un peu prétexte, mais peut-être que si tout n'était pas écrit en caractère minuscule, et si les missions contre les gigantesques dragons étaient plus intéressantes à jouer, mon intérêt pour toute cette histoire aurait été un brin supérieur. L'impression subjective que j'avais eue en découvrant Monster Hunter 4 était qu'il s'agissait là plutôt de l'énième exécution d'une formule efficace que d'un réel nouveau jeu. Mais on peut dire que l'une des réussites de ce Monster Hunter World est justement de ne pas vraiment donner cette impression. On sent que l'équipe en charge du jeu, déjà maîtrise son sujet et sa formule, mais surtout a enfin pu travailler sur des consoles à même de réaliser certains éléments qui étaient probablement impensables auparavant. Le gameplay est beaucoup plus agréable à pratiquer grâce à l'ergonomie de la manette PS4, les environnements de chasse sont plus vastes et plus fouillés, la puissance de la machine n'oblige plus à les découper en zones séparées par des temps de chargement longuets, ils gagnent donc en cohésion et leur aspect ouvert est parfaitement adapté à la formule. Les monstres sont mieux animés et plus terrifiants que jamais, et surtout, ils sont maintenant capables de réellement interagir les uns avec les autres. On peut parfaitement être en plein combat quand tout à coup un autre monstre vient attaquer notre proie, offrant alors un soutien inattendu de poids. Ben, C'est le cas de le dire, <laughs> mais également un spectacle visuel fascinant. Et cela permet au jeu de donner l'impression d'un monde organique, vivant, régi par des lois naturelles à la fois terriblement cruelles et logiques, où l'humain n'est qu'une menace parmi d'autres. Bien sûr, on ne peut éviter de retrouver les mêmes choses qui m'avaient énervé à l'époque de Monster Hunter 4. La difficulté du combat est toujours autant déterminée par la nature du terrain sur lequel on affronte les monstres. Je ne suis toujours pas convaincu par le système de lock vu que la caméra a tendance à ne pas suivre très bien. Le ramassage de matières premières est toujours aussi présent et casse. Bien qu'il soit beaucoup plus aisé de récolter du miel ce coup-ci, ce qui est une bonne chose. Mais la manière d'utiliser les objets en combat n'est pas très convaincante, vu que les sélectionner implique d'utiliser le même pouce que celui qu'on utilise pour les déplacements. Vouloir faire les deux simultanément nécessite une gesticulation peu agréable avec son pouce droit qui est obligé de venir porter secours. Mais de secours, on va en avoir besoin. Quand on dit de Dark Souls qu'il est difficile, bon sang Dans ce cas, Monster Hunter World est le Dark Souls des Monster Hunter. Ou le, ou le Monster Hunter des Dark Souls. Ou le, ou le, ou le Dark Souls des jeux vidéo. Ou, la, ou, ou le Monster Souls des Dark Hunter. Et certes, cette difficulté peut être parfaitement atténuée en optant pour la solution du multijoueur. Mais comme pour le 4, je préfère malgré tout y jouer seul, pour avoir ce frisson du tête à tête contre la bestiole, quitte à m'en prendre plein la gueule. Je ne renie pas que les sessions que j'ai faites en multijoueur étaient amusantes, mais j'ai l'impression que cela modifie un peu trop l'expérience. Car de mon point de vue, ce qui est critique dans Monster Hunter World, ce sont les moments où l'on doit parvenir à se mettre à l'écart, soit pour aiguiser son arme afin qu'elle se remette à faire de gros dégâts, soit pour boire une potion ou autre. Et lorsque la tension du du monstre peut être réparti entre deux joueurs, bah cela simplifie énormément la chose. Qui plus est, on ne ressent pas vraiment d'accomplissement lorsque notre partenaire bien plus doué paraît s'occuper seul du monstre alors que l'on ne sert que de faire valoir. Et cela même si la combinaison de plusieurs armes offre un aspect stratégique et intéressant. Non parlons d'armes, j'en ai bien essayé plusieurs, mais rien ne me donne autant satisfaction que glaive et le balai aérien et léger qu'il offre. Ses passages en vol au-dessus du monstre, tout en faisant tournoyer son arme. Bah c'est vraiment très amusant à effectuer. Mais oui, puisque que vous vous le demandez. J'ai trouvé Monster Hunter World très bon, très accrocheur, épique, tout en étant épuisant et pas mal frustrant par moment. Mais étant donné que ses principaux défauts sont l'interface minuscule et le mode en ligne payant, si vous avez un PC, euh, je vous suggère d'attendre qu'il sorte dessus. Et vous aussi vous découvrirez ce sentiment lorsque l'on revient de mission. Le sens du devoir accompli au nom de la science est que... Euh, salut tartiflette, comment ça va Oh tu veux jouer hein Qu'est-ce que... Ah, c'est comme ça qu'on me remercie, hein! Bah t'auras pas de câlin la prochaine fois! Finalement, je crois qu'une des plus grandes forces de cette formule Monster Hunter est qu'il arrive toujours un moment, lors d'un combat qui tourne en notre faveur, où l'on se pose intérieurement la question Mais qui est finalement le méchant dans l'histoire? Ce moment où l'on voit le monstre boitiller maladroitement, essayant coûte que coûte de rejoindre son habitat pour tenter de regagner des forces et ne pas sortir perdant de ce combat à mort, et qu'on se demande Mais que m'avait fait ce monstre, mis à part, bah, juste exister? Il n'en avait sans doute rien à faire de moi et de ma présence, alors. N'est-ce pas normal qu'il défende son territoire? Est-ce que. Est-ce que ce n'est pas moi le méchant dans l'histoire? Ah, les remakes et autres remasters, le péché mignon de l'industrie moderne du jeu vidéo. Mais quand je dis péché mignon, c'est plutôt une stratégie d'une évidence crasse. Cela fait maintenant plusieurs années que le marché du jeu vidéo grand public a débuté, puis achevé son virage du jeu solo narratif vers le jeu service. Vous savez, ces jeux multijoueurs en ligne auxquels on ajoute régulièrement du contenu tout en faisant en sorte que le joueur puisse y dépenser son argent pour tout et pour rien. D'ailleurs, la majeure partie des revenus de beaucoup d'éditeurs proviennent maintenant des microtransactions et autres achats en ligne. C'est amusant de voir à quel point les gens à propos de choses qui finissent par devenir une évidence. Vous vous souvenez quand les gens gueulaient à propos des DLC Ben à l'heure actuelle je n'ai pas connaissance d'un seul jeu AAA qui n'en propose pas. Et n'est-ce pas là un des principes du business et autres marketing Connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ce qui me dérange le plus dans cette évolution, c'est que le jeu vidéo grand public ressemble de plus en plus à la télévision. Cette chose qu'on allume le soir en rentrant à la maison pour y retrouver ses petites habitudes. Pourquoi donc aller apprendre à maîtriser de nouvelles mécaniques alors qu'on peut simplement se blottir dans son petit confort quotidien le truc, c'est que même s'il n'est plus rentable de proposer des expériences solo narratives triple a, mis à part dans d'énormes mondes ouverts un peu chiants, une partie non négligeable du public en est néanmoins toujours demandeuse. mais pourquoi créer de nouveaux jeux de ce type qui ne remportent souvent au mieux qu'un succès d'estime, alors que les éditeurs en ont déjà financé tellement ressortir ces jeux ne coûte pas cher à produire la marque est déjà connue. n'y a t il pas que des avantages pour eux pour nous en revanche, bah, c'est une autre histoire. Après, il faut encore différencier portage, remaster et remake. Un portage est la simple sortie d'un jeu sur une autre machine, un remaster implique une refonte visuelle plus ou moins travaillée, et pour moi, un remake est un nouveau jeu bâti sur le squelette de l'ancien, et pour lequel on utilise la technologie actuelle afin de bonifier l'essence du jeu d'origine. En théorie, bien sûr. Cette stratégie profite bien entendu du fait que le jeu vidéo est une industrie qui oblige les consommateurs à posséder non seulement le jeu, mais également son support de lecture spécifique. Des éléments qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver en bon état au fil du temps, rendant compliqué l'accès à tout cet héritage. Les ressortir sur les nouveaux supports de lecture est donc une stratégie peu coûteuse, efficace et finalement d'une logique implacable. Même si elle fait de nous euh, les dindons de la farce, si j'ose dire. Shadow of the Colossus est sans nul doute le candidat parfait pour cette stratégie. Il a la d'être un jeu mémorable, n'ayant pas eu le succès commercial qu'il méritait, et qui était techniquement beaucoup trop ambitieux pour la PlayStation 2. C'est pourquoi Sony l'a remasterisé. En 2011. Mais 4 ans plus tard, ils nous refont le coup avec un remake ce coup-ci. Euh, qui n'en est pas vraiment un. Pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Shadow of the Colossus, il nous raconte l'histoire d'un jeune homme traversant à dos de cheval des terres reculées et inhabitées en pleine nuit noire jusqu'à atteindre au matin une vaste plaine au centre de laquelle trône un gigantesque temple à l'abandon. On découvre alors qu'il a effectué ce long chemin pour tenter de ramener sa Dulcinée à la vie avec l'aide de l'esprit qui habite ce temple. Il va pour cela lui falloir terrasser 16 colosses qui peuplent ces steps abandonnés afin de réinjecter de la vie dans le cadavre de madame ah le romantisme nécrophile le pouvoir de l'amour post mortem capable de soulever des montagnes ou dans le cas présent Vaincre des colosses gigantesques. Un pitch d'une grande simplicité, des objectifs simples et directs. On part donc terrasser un colosse après l'autre en recherchant leur emplacement sur l'énorme map grâce à notre épée magique et à nous de nous démerder. Simplicité est d'ailleurs le maître mot dans Shadow of the Colossus. L'interface est pratiquement vide de toute information, le monde est vaste, maussade et désert. Pas de tutoriels interminables, pas de montée en niveau, pas de combos ou autre. Juste nous, notre épée, notre arc, notre cheval et ces titans à première vue indestructibles. Et que cette simplicité, fait du bien. C'est d'ailleurs amusant de découvrir l'impact que ce jeu a eu sur le jeu vidéo en général. On voit clairement en y jouant qu'il y a eu un avant et un après Shadow of the Colossus. Et je n'avais véritablement jamais joué à quelque chose de semblable. Même s'il serait tentant de décrire le jeu comme une succession de combats de boss, les colosses ne sont pas vraiment des boss en tant que tels. Plutôt une espèce de mélange entre une énigme et un niveau de plateforme mobile, puisqu'ils suivent tous le même schéma. On observe d'abord leurs mouvements et les environnements pour trouver comment leur grimper dessus. Une fois agrippé à leur pelage, on essaye de se déplacer sur leur corps jusqu'à arriver à leur point faible dans lequel on enfonce notre épée. C'est tout con. Mais tellement épique. Le tout serait cependant encore meilleur si le jeu ne nous aidait pas lors de chaque affrontement. Les colosses présentant toujours une énigme à résoudre, le fait de vouloir absolument nous mettre sur la piste, par l'intermédiaire de l'Esprit du Temple, nous empêche d'avoir ce petit moment. Eureka. Vous savez, ce moment où l'on trouve la solution et on se dit. <laughs> Oh, je suis quand même bien plus intelligent que le reste du monde. Mais puisqu'on est dans les problèmes, je n'ai pas joué au jeu original, mais pour moi cette version PS4 ressemble plus à un remaster. Car on a vraiment l'impression de jouer à un jeu vieux de 12 ans qui a bénéficié d'une grosse update graphique. Le personnage paraît très lourd dans ses déplacements, notre compagnon est souvent un peu à la rue, et surtout on a une caméra qui a vraiment de la peine à suivre. Alors je n'ai certes pas trouvé que c'était suffisant pour véritablement effriter le plaisir de jeu, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit là de problèmes dont... Souffrait déjà l'opus original. J'en conclus donc que le jeu en lui-même n'a pas été modifié au-delà de l'aspect visuel. Et ça, pour moi, bah, c'est plutôt un remaster, pas un remake. Mais cela pose évidemment cette question difficile. Hmm. Hmm. Ouais. Difficile. Le fait est cependant que le jeu nécessite un temps d'adaptation. Néanmoins, cette simplicité, cette efficacité, ce lien intelligent que le jeu crée avec le joueur par l'intermédiaire du bouton R2 qui sert à nous accrocher au pelage des colosses, cette mise en scène, ah c'est vraiment très impressionnant. Achetez Shadow of the Colossus, jouez-y, vous me remercierez plus tard. Je vais maintenant m'aventurer dans la zone spoilers, donc euh... fuyez, pauvre fou. J'attends. J'attends encore. Hein, vous l'aurez voulu. Bien, j'ai trouvé le retournement final un peu prévisible, vu que l'esprit du temple n'a absolument aucune raison de nous aider, sauf s'il a lui-même quelque chose à y gagner. C'est pour cela que ces indices que l'esprit nous donne sont à la fois dommageables pour le plaisir de jeu, mais font totalement sens d'un point de vue de la situation qui nous est alors inconnue. On est en fait l'idiot utile. On passe alors d'un jeu sur le pouvoir de l'amour et le romantisme à un jeu sur l'égoïsme pur et dur, sur les conséquences du refus de voir la réalité en face, quitte à finir par tout perdre, notre cheval, notre vie. Notre réputation. N'est laissé madame devoir vivre avec les répercussions de nos actions dans ces terres scellées et abandonnées. Combien de jeux auraient le courage d'un tel retournement de situation De nous faire jouer pour perdre Hum? Ah, tu es brillant, Shadow of the Colossus. Imparfait mais brillant. Je ne vois pas comment te décrire autrement. Voilà. Je suis vraiment, mais alors vraiment très déçu de vous, cher public. On ne vous demande pas explicitement de partir et regardez le résultat. Vous avez tout mis sens dessus dessous. C'est le bordel dans tous les coins de la maison. Mais, 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 vous avez fait la fête ici pendant deux semaines sans arrêt ou quoi Vous allez me faire le plaisir de tout ranger, sinon le dragon va s'occuper de vous. Allez hop Non mais. Hmm revenons-en aux jeux vidéo. Je vois qu'on est de retour pile poil au moment où l'industrie s'apprête à boucler son année fiscale et décide de sortir plein de gros jeux simultanément, sans réfléchir. Mais c'est vous les experts, les gars. En attendant, celui qui m'intéressait le plus était A Way Out. Vous vous souvenez, dans ma chronique sur Brothers, j'avais dit souhaiter qu'Electronic Arts finance de tels jeux, mais plus ambitieux Eh ben, une fois n'est pas coutume, ce que je souhaitais, c'est réalisé puisqu'on retrouve le directeur de Brothers aux commandes de Way Out, avec Electronic Arts qui finance le développement. Donc je, je suppose que ça fait un point positif pour eux il en reste encore beaucoup à faire pour rétablir l'équilibre dans la force, mais passons. Way Out est donc un jeu jouable uniquement en coopération avec un autre joueur. Mais je vous aurais bien invité pour une fois à venir et jouer avec moi, cher public. Mais vu que vous êtes occupés, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour partager l'écran avec moi durant les 8 prochaines heures. Ah, ma chère et tendre. On y incarne donc Vincent, type a priori banal qui arrive en prison pour meurtre, mais appelons-le Barbichette. Et Léo, le criminel tête brûlée de Brooklyn qui s'est fait pincer après un casse de diamant qui a mal tourné, mais appelons-le Rouflaquette. Les trajectoires carcérales de Barbichette et Rouflaquette vont être amenées à se croiser en raison de leur ennemi commun dénommé Harvey, et dont ils souhaitent l'un comme l'autre se venger. C'est pourquoi, une poignée de jours après l'arrivée de Barbichette, ils tentent de s'évader sans réel plan, à part utiliser le trou magique derrière la cuvette des toilettes pour partir chaque nuit en mode urbex. Dans les zones délaissées de la prison et laisser leurs cellules. Euh... ben vide Oui, c'est très con, way out, parfois, c'est très incohérent et très maladroit. Mais qu'est-ce qu'on y fait, en fait Ben si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est du David Cage en cup asymétrique. Mais ma langue étant délicieuse, avec une sauce au capre, disons que le jeu nous plonge dans une multitude de situations, où autant tartiflettes que pralinettes ont chacun leurs objectifs à eux, toujours complémentaires, où l'on poursuit bien souvent les petits points jaunes qui permettent de déclencher les actions contextuelles à l'aide du bouton X ou triangle. Ça dépend. Mais on y trouve aussi des courses-poursuites en voiture à la conduite pas folichonne, des passages d'infiltration avec des policiers aussi bêtes qu'anémiques, des quick time events sortis d'une autre époque ou même une phase de TPS qui semble quelque peu hors de propos. Oui, A Way Out se creuse vraiment la tête pour nous mettre dans une myriade de situations différentes et exploiter son idée de coopération asymétrique du mieux qu'il peut pour un résultat que je décrirais comme bah, assez captivant en fait! Parce qu'on ne s'ennuie jamais vraiment dans A Way Out! S'il y a quelque chose qui réussit bien, c'est son rythme! On ne reste jamais longtemps dans une situation sans enchaîner sur une autre, souvent maladroite, quelquefois très prenante, parfois hilarante d'incohérence! Mais jamais aucune ne nous donne envie d'arrêter l'aventure et d'abandonner la recherche du prochain petit point jaune avec lequel on peut interagir! On ne s'ennuie jamais, mais on se facepalme malheureusement très souvent à cause des énormes! Énormes incohérences du scénario et des situations rencontrées. Et c'est un peu le problème avec ces jeux qui se veulent avant tout narratifs et où le gameplay n'est souvent qu'un prétexte à faire avancer l'histoire. Les incohérences scénaristiques sautent aux yeux et il devient bien difficile de les excuser. Parce qu'on est d'accord que l'interactivité d'un jeu vidéo présuppose toujours une certaine dose de suspension consentie de l'incrédulité. Typiquement, dans un jeu où l'on tire, on va accepter que notre personnage, tout humain qu'il soit, puisse prendre des balles sans mourir, se soigner tout seul et autres. Tout simplement parce que cela fait partie des systèmes de gameplay mise en place par les développeurs pour que l'on s'amuse et fasse preuve de dextérité. Or, quand l'interactivité se résume souvent à avancer vers un petit point jaune pour appuyer sur un bouton permettant de faire progresser l'intrigue, ben notre attention se focalise inévitablement sur le récit et sa cohérence. Et le récit de A Way Out est truffé à rabord d'incohérences que l'on n'a pas pu laisser passer. On aurait bien voulu, hein mais il y a des limites. Difficile de dire quel est le groupe professionnel le plus con dans cette histoire. Les gardes de la prison, apparemment aveugles et sourds Les architectes de la prison, qui ont construit un dédale de couloirs abandonnés derrière la cuvette des toilettes des cellules Les policiers, incapables de viser à 3 mètres ou de mettre en place un plan de surveillance des proches de deux fugitifs recherchés par la nation entière tous les trois, peut-être À certains moments, on finit même par éclater de rire à cause du ridicule des situations, comme lorsque Barbichette s'en va discuter avec le vendeur d'un kiosque à journaux, où les dix journaux ont en première page... Ben notre tête en énorme Ou ce moment où des hordes de policiers nous tirent dessus à dix mètres et que l'on parvient à s'enfuir au petit bateau à rames. Je veux dire, c'est digne d'un film avec Leslie Nielsen parfois. Mais j'adore ces films. Mais le jeu et son ton sérieux n'est pas le meilleur endroit pour y faire référence. Et étrangement, la grande majorité des incohérences ont tout à voir avec le fait que l'on s'échappe de prison. C'est comme si c'était ce qui plombe le récit du jeu et les intentions de l'auteur. Ce qui est quand même un peu bête pour un jeu sur deux types qui... Ben, s'évade de prison. Parce que oui, on sent qu'il y a un auteur derrière, qu'il y a des parties pris, des risques, un réel point de vue vidéoludique. Ça n'est pas juste un film interactif où l'on tapote sur des boutons. La fin, que je ne spoilerai pas, en est témoin. Et certains moments fonctionnent bien. Il y a par exemple une course-poursuite dans un chantier qui était captivante et spectaculaire et intéressante du point de vue de sa construction asymétrique. Le moment où Rouflaquette revient voir sa famille était plutôt réussi du point de vue émotionnel. Les mini-jeux dispersés ça et là sont une très bonne idée pour resserrer les liens entre les deux protagonistes et les deux joueurs, mais tous ces moments n'ont pas besoin de cette histoire d'échappade de prison pour fonctionner. Pire, ils fonctionneraient peut-être mieux sans ça si on avait eu affaire à moi bah je sais pas, deux détectives un peu borderline proches des milieux du crime organisé. On aurait eu beaucoup de scènes similaires avec un fond beaucoup plus crédible. Mais ça me peine de dire tout ça parce que j'avoue n'avoir jamais rien essayé de tel, ce qui fait aussi bah indéniablement plaisir finalement. En fait. <coughs> Bah moi, j'ai trouvé que c'était comme... <coughs> bon, d'accord, j'arrête. Bah moi, j'ai trouvé que c'était comme d'aller au cinéma, mais en mode interactif. Bien que parfois, j'oubliais que j'étais censé faire quelque chose et j'avais pas ma manette en main, alors que c'était à moi de jouer. Mais je me faisais gronder. Ce que je conteste fortement Mais je crois que c'est sympa pour jouer avec quelqu'un qui ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo. On a besoin que d'un jeu pour deux personnes, et bah c'est pas dur du tout. Mais c'était quand même souvent un peu bête. C'était souvent très bête. Voilà. Mmh, plouf. Ah, exactement! Oh, salut Plouf! Vu qu'on n'a pas encore fini de ranger, laisse-nous te proposer une petite devinette. <coughs> Alors, qui suis-je? Je suis un jeu vidéo qui se passe en Australie, dans lequel il faut faire attention aux nombreuses araignées tueuses, et j'ai comme principale nouveauté de gameplay un boomerang magique. Alors, je suis petit 1 Far Cry Tralalaire, petit 2 Far Cry. Ah silence! Fermez-la! Votre insolence n'a d'égal que votre capacité à semer la zizanie dans mon domicile! Retournez nettoyer ce bordel et que ça saute! <coughs> Eh, cessez de remettre en cause mes incroyables capacités de prédiction. J'ai quand même prédit qu'il y aurait les Inklings dans le prochain Smash Bros. Quand même. Mais j'avoue que. <laughs> Un boomerang, une nouvelle mécanique de gameplay. Bon sang, je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête. Oui, j'ai joué à Far Cry 5. Oui, il se passe au Montana. Et oui, disons-le tout de suite, c'est un peu plus de la même chose. Un jeu dans lequel des fondamentalistes évangéliques ressemblant à des hipsters de San Francisco qui essaieraient de se fondre dans la population rurale ont pris le contrôle de toute une zone du Montana avec l'aide de leur milice de barbus fanatiques. Le tout sans que le gouvernement américain ait eu quoi que ce soit à redire. Et qui va aider les rednecks anti-gouvernement à se débarrasser d'eux Ben, un représentant de la loi. Donc pour le pour, pour le gouvernement C'est ce que Far Cry 5 essaye de nous dire Non, oh, c'est déjà pas mal On est loin du commentaire sociopolitique ou de la critique acerbe de la société américaine dont rêvaient certains, mais... Mais On parle d'Ubisoft ah, Ubisoft est leur formule magique! J'avoue qu'à force de jouer à leurs jeux en monde ouvert, j'en suis arrivé à un moment où je n'arrive plus vraiment à les différencier les uns des autres. Ce mix d'action et infiltration, ces mondes ouverts gigantesques, ces arbres de compétences qui débloquent des compétences similaires à chaque fois, toutes ces barres que l'on remplit à force de libérer des camps, à force de tuer plein de monde. J'en arrive à un moment où, où tout cela semble tourner en rond, semble refaire perpétuellement la même chose en attendant des résultats différents. Ah, clin d'œil, clin d'œil. croire que tous les jeux Ubisoft vont finir par fusionner en un seul titre ultime L Ubisoft Cinematic Universe. Ah, ça fait rêver, hein. Imaginez Bayek faire de la wingsuit en racontant des trucs avec son smartphone. Bon, retournons à Far Cry 5, un jeu qui met d'ailleurs une nouvelle fois l'accent sur ses antagonistes, au point ce coup-ci de reléguer le joueur au rang d'exécutant invisible et muet, ce qui engendre des questions sur la pertinence d'un éditeur d'avatar dans le jeu, mais bon On incarne ainsi le nouvel adjoint du shérif, qui s'en va en hélicoptère procéder avec d'autres collègues à l'arrestation de Joseph Seed, le gourou évangélique mentionné auparavant. Alors qu'on se dit que, bah, quand même, tout ceci ressemble à une très très mauvaise idée et dans le cas où l'on ne souhaite pas que le jeu se termine après 10 minutes en mode MDR, l'arrestation se passe mal. On se retrouve alors rapidement perdu au milieu du montana dans un territoire hostile, seul, dans l'impossibilité de contacter le monde extérieur et avec la perspective de grinder notre personnage durant les dizaines d'heures qui suivent. Non, on va donc faire cela en Ubisoft en plein de trucs sur une énorme map ouverte à la sauce Far Cry et aider la résistance Redneck à combattre cette secte. Eh, par là j'entends bien sûr faire chuter la secte à nous tout seul. Mais ne vous en faites pas, si vous ne voulez pas grinder. Vous pouvez toujours acheter votre grind en argent réel! Ah, les jeux A actuels! On paye une fois parce qu'on a vraiment envie de jouer au jeu, et une deuxième fois si jamais on a finalement euh, pas vraiment envie d'y jouer! Le jeu est donc séparé en trois zones, chacune d'entre elles dirigée par l'un des adjoints slash frères et sœurs de Joseph. Une fois que l'on a libéré suffisamment de campements peuplés d'ennemis particulièrement bêtes, rempli assez de missions dont 80% ont pour objectif de tuer tout le monde dans un lieu donné, ou encore intercepté l'un des nombreux événements aléatoires que le jeu nous balance à la gueule, bah on gagne le droit de défier le chef de la zone et de libérer un de nos alliés du début, dont on avait un peu oublié l'existence. Voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant d'événements aléatoires, vous connaissez cette impression quand un jeu semble être pétrifié à l'idée de nous ennuyer et finit par trop en faire J'appelle cela le syndrome Mario Odyssey. Ben Far Cry 5 explose littéralement les compteurs à ce niveau-là, à tel point que cela finit par tourner au ridicule. Combien de ces prises d'otages random, de ces camionnettes remplies d'otages à libérer, de ces véhicules remplis de carburant est-il possible de voir à la minute euh, beaucoup. À tel point qu'on pourrait presque rester au bord de la route et remplir un événement aléatoire après l'autre, au lieu de suivre la trame principale. Ce qui est quand même... Bah un peu con quand on y réfléchit. Alors, quelles sont les nouveautés Bah... Euh... Non, il n'y a plus de tour de radio à escalader, et les missions doivent être obtenues directement auprès de la population, ce qui est chouette. On n'a plus besoin d'écorcher plein d'animaux pour en faire des sacs, ce qui les rend quasiment inutiles maintenant que j'y pense. On peut piloter des hélicoptères, bien que je ne sais même plus si c'est une nouveauté. On peut avoir un allié qui... Euh... Ah non, ça c'était déjà dans Far Cry Primal. Euh... Non, on peut pêcher, mais c'est nul. Bah je crois qu'on a fait le tour. Non, c'est pas vrai L'une des nouveautés est le fait que la totalité de la map est accessible dès le départ, et je ne comprends pas bien en l'état ce que c'est censé apporter. Est-ce que les défis que propose un jeu ne sont pas censés s'adapter au niveau du joueur et de ses compétences Je demande parce que c'est une notion totalement absente de Far Cry 5. Les premiers camps qu'on libère sont difficiles, demandent un minimum de planification et de maîtrise alors qu'on n'a qu'un maigre fusil automatique. Puis 20 heures plus tard, on est face au même camp, aux mêmes ennemis, mais on les attaque à l'hélicoptère de combat et on rase tout. Ce qui était un challenge se change peu à peu en formalité redondante. Et la map est certes bien plus grande en comparaison avec le 3 et le 4. Il y a beaucoup plus de trucs à faire dans Far Cry 5. Le problème, c'est qu'il n'y a pas plus de trucs différents à faire. Juste plus de trucs. Alors que le 3 et le 4 s'arrêtaient juste avant de devenir vraiment redondants, ben là non. L'impression de tourner en rond se fait de plus en plus pressante tout en proposant un challenge qui s'envole petit à petit. Ben, c'est juste pas très cool. Bon, T'as l'air d'avoir pas aimé, plouf! Ben, je sais pas, ça reste un jeu Far Cry. Les mécaniques de FPS sont excellentes, rapides, précises. Le monde ouvert est grand, joli, c'est sympa de l'explorer. Il se dégage toujours du jeu ce fun arcade et bourrin qui met de bonne humeur. J'ai bien aimé les bunkers cachés, qui proposaient souvent plus d'idées dans l'exploitation des mécaniques ou des environnements que les missions standards. La partie avec Faith était sympa, elle changeait des antagonistes classiques. Tout en douceur, en mièvre séduction. Elle qui n'apparaît que dans des hallucinations dues à des psychotropes. Elle dont on ne sait jamais si ça prête c'est réellement physique. C'est pas déplaisant de jouer à Far Cry 5. Loin de là. C'est juste. Mais qu'est-ce que ça tourne en rond En fait, je pense que l'équation est simple. À combien de jeux Ubisoft en monde ouvert avez-vous joué ces cinq dernières années Si la réponse est zéro, alors dans ce cas. Pourquoi ne pas jouer à Far Cry 3 Il était chouette Si la réponse est 1 ou plus, dans ce cas, préparez-vous à un saisissant effet de déjà-vu, agrémenté d'un amusement qui laissera probablement sa place à un certain ennui redondant et un effet de surpuissance ridicule au fil de la progression. Ma maison étant en ordre, vous êtes libre de partir et de laisser un pouce bleu, cher public. Devrait-on noter un jeu vidéo Les notes dithyrambiques reçues par God of War ont semble-t-il relancé cette vieille question D'après le son de cloche de la presse spécialisée, euh, c'est oui Mais. Mais non Puisque c'est pas les notes qui comptent, c'est le texte. La note Bon, c'est juste un truc en passant. Pas un truc précis qui peut être partagé partout rapidement, terminé dans une moyenne métacritique qui va permettre de faire des classements et des clauses de rémunération dans les contrats signés entre éditeurs et studios de développement. N'est-ce pas Votre jeu n'a pas dépassé les 9 sur 10 Oh, dommage pour votre bonus Un jeu reçoit une note parfaite C'est un complot C'est un manque de professionnalisme Quel texte Quoi j'ai pas lu! Est-on vraiment surpris de ce genre de réaction? Sincèrement, ne nous apprend-on pas dès l'école que les notes, euh, bah c'est tout ou presque? Je ne note pas les jeux parce que. Bah, déjà, je ne suis pas un enseignant qui corrige des contrôles de mathématiques. J'estime qu'une expérience de jeu est influencée par beaucoup trop d'éléments subjectifs pour pouvoir en tirer une note précise qui pourrait servir de référentiel universel. Et surtout, parce que je veux que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Que vous écoutiez chaque phrase, chaque argument, afin que votre cerveau bouillonne pendant le visionnage de la vidéo. Et ce faisant, vous serez peut-être euh, amusé, intrigué, indifférent, furieux, voire scandalisé, jusqu'à m'envoyer plein de commentaires indignés qui tenteront, mais sans succès bien entendu, de mettre à terre tout mon argumentaire. Et vous savez, Quoi euh, merci. Ça sera toujours mieux qu'une remarque sur une simple note, parce que vous m'aurez écouté, et c'est tout ce que je demande. Est-ce que God of War mérite une note parfaite bah, J'en sais rien. Je m'en fous. Ce que je sais, c'est que j'ai passé cinq jours à y jouer, et c'était mon premier God of War. Alors, suis-je donc illégitime pour en parler Cela va-t-il faire baisser ma note sur sens critique Est-ce qu'on s'en tape Absolument. Donc, après avoir trucidé la moitié de l'Olympe, Kratos a décidé de se réfugier incognito dans les terres nordiques, où il a débuté une nouvelle vie aux côtés de sa femme et de son fils. Sa femme étant maintenant décédée, il va falloir qu'il s'en aille jeter ses cendres depuis le sommet de la plus haute montagne du coin, accompagné par son fiston. Une fois qu'il sera prêt pour cette aventure, vu les hordes de monstres qui peuplent les environs du territoire familial. Le temps va cependant se faire pressant lorsqu'un autre barbu va s'en venir signifier à Kratos que son statut de réfugié euh, n'est pas vraiment des plus appréciés par la population divine locale. Kratos et son fils vont donc partir en toute urgence pour un voyage initiatique durant lequel ils vont se rapprocher l'un l'autre et apprendre à vivre ensemble sans madame. Ils vont faire cela à travers un mélange, somme toute assez classique, de petites énigmes à résoudre grâce à la capacité, au feeling très viril, qu'a Kratos de. De lancer sa hache de glace et la récupérer par la seule pression d'un bouton Un peu comme un boomerang <laughs> De phases de grimpette sur les rochers et les murs, de passages narratifs riches en nombreux dialogues et de combats. Des combats d'ailleurs que je n'ai jamais eu l'impression de totalement maîtriser. T'étais nul, plouf bah, Plus ou moins, ouais. Ça dépendait pas mal du contexte en fait. Les combats sont visiblement inspirés de Dark Souls. On a donc une caméra qui offre un champ de vision réduit, un système de lock pas très bien fichu avec un stick droit qui permet à la fois de bouger la caméra et de changer de cible, ce qui est lourd, le tout mixé avec des mécaniques de beat'em up assez classiques, mélangeant enchaînement, garde, contre, lancer de hache et participation active du petit bonhomme. Et j'ai trouvé ce système sympathique à exercer contre un ennemi unique, dans des environnements ouverts, qui offraient des affrontements tendus et plutôt techniques. Mais dès qu'il y en avait plein, je n'ai jamais eu l'impression de trouver la clé pour contrôler tout ce. Bordel. Ce qui a résulté dans moult pics de difficultés et une bonne dose d'injures gratuites. Le jeu expliquant surtout son système de combat au sein même de son interface, j'aurais certes dû y passer plus de temps, mais. Hein, je sais que je me plains souvent des polices d'écriture minuscules dans les jeux PlayStation 4, mais je crois que God of War est un cran au-dessus des autres. Ou plutôt au-dessous. C'est illisible. Point. Et quelque chose m'échappe totalement. On a un jeu dont les protagonistes ont des barbes qui ont été modélisées au poil près. Marche sur une neige dont on semble avoir modélisé chaque cristal. On a des heures et des heures de dialogues enregistrés qui apparaissent de manière dynamique. Des dizaines de quêtes annexes, de statistiques à prendre en compte, d'objets à assigner à d'autres objets d'équipement, de coups spéciaux à choisir, des pages et des pages de lore. Et le tout nécessite de passer plein de temps dans une interface qui est illisible lorsqu'on est assis à plus d'un mètre de l'écran. Bah, la logique m'échappe. Je crois qu'à l'heure actuelle, une mise à jour a corrigé quelque peu la chose, mais que voulez-vous C'est trop tard pour moi. Mais au passage, tout cet aspect RPG, le jeu en avait-il vraiment besoin N'y avait-il pas assez entre simplement les combats, les énigmes, la grimpette et la très riche narration N'y a-t-il pas un aspect trop dans God of War Trop de quêtes annexes, trop de collectibles, trop de statistiques, trop de runes de pierres, de talismans, de documents à lire As-tu peur de ne pas en faire assez, God of War Parce que tu me divertis, hein T'en fais pas. Mais ce surplus de trucs m'a finalement plutôt motivé à rester sur les rails de la quête principale, et c'est aussi là que résidait ma principale motivation à poursuivre l'aventure. Et ma motivation n'était pas vraiment la progression vers mon objectif final, cette dernière abusant à mon goût des retours en arrière et des détours de 4 heures pour en revenir au point de départ, ce qui me donnait la désagréable impression de faire du surplace et de ne jamais vraiment progresser vers mon objectif. Non, ma motivation était les personnages et l'évolution des relations qu'ils entretenaient. Vous deux là, les frères forgerons, je vous adore, je vous adore tous, vous aussi, tout le monde, vous êtes fantastiques. J'aime la manière dont vous êtes tous trop fiers ou grincheux pour avouer votre affection les uns pour les autres, alors que cela transpire par tous les pores de votre peau. J'aime la manière dont la relation entre Kratos et le gamin évolue, dont le voyage les rapproche. J'aime l'adversité que provoque leur relation, comme le fils échappe à l'autorité de son père, un père tout en puissance et en contrôle, mais qui semble... Bien Bien démuni face à un enfant sur lequel son autorité n'a plus d'emprise. J'aime la manière dont cela est représenté à travers le gameplay. Lorsque le gamin ne répond plus lors des combats, j'aime la manière dont tout ce petit monde est profondément têtu, borné, humain. C'est comme si le jeu parvenait toujours à trouver le juste ton, au juste moment, afin que je me sente toujours investi. Et quand il était sérieux, j'étais scotché à l'écran. Quand il était drôle, je riais à haute voix. Quand il était sentimental, je souriais un peu niaisement. Qu'est-ce que j'ai aimé vous suivre pendant 30 heures, toute l'équipe C'était inoubliable. Mis à part peut-être le début de l'aventure. Et le bestiaire aussi, un peu limité. Et euh... Bah, pas grand chose au final. God of War semble réinventer la série avec efficacité sans vraiment réinventer la roue, dirons-nous. Mais cela faisait bien longtemps que je m'étais pas attaché à ce point à des personnages dans un jeu vidéo. Donc je suppose que ces thématiques très bonhommes, pour ainsi dire, ont su capter mon attention et en faire bon usage. C'est ainsi surtout sur ces bases-là que je vous le recommande. Et vous Bah, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Oh, c'est chaque année la même chose ce mois de mai, je n'ai rien à me mettre sous la dent niveau sortie. C'est pourquoi ce coup-ci, au lieu de me plaindre, même si je fais cela particulièrement bien, j'ai décidé d'inviter un ami youtubeur de longue date afin que l'on vous parle d'un de ses coups de cœur. Donc sans plus attendre, je. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Je... Hermine mais, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là Salut Plouf, j'ai eu du mal à trouver ta maison. Je sais pas comment font tes abonnés pour venir tout le temps chez toi. T'habites vraiment très loin, j'ai dû prendre deux bus pour y arriver. Bon, on peut commencer la chronique alors Mais... Flèche t'a pas prévenu Mais il n'y avait pas besoin de venir, on a décidé de faire ça à distance Enfin bon, rentre quand même Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Mr. Flech pour vous parler de Hatting Time Salut tout le monde. A Hat in Time fait partie de ces jeux indépendants qui m'ont tapé dans l'œil dès le début de leur annonce. Kickstarté en 2013, je n'ai pas cessé de regarder les news sur l'avancement du titre jusqu'à sa sortie en 2017. Coloré, cartoonesque, mignon et original, ce platformer 3D avait tous les ingrédients pour me hyper, bien plus que Yooka-Laylee. Lorsque Jean, un abonné, m'a fait le superbe cadeau de m'offrir le jeu, je me suis rué dessus sans attendre. L'histoire est relativement simple. On incarne une petite fille avec un chapeau dans un vaisseau spatial qui fonctionne à l'énergie des sabliers. En passant près d'une planète, elle est interpellée par un mafieux qui déclare que tout passant au-dessus de Mafiaton, doit payer une taxe. Il casse la vitre pour entrer, mais cela crée un courant qui le projette avec la fille et les 40 sabliers hors du vaisseau. Et c'est ainsi que l'on découvre le tout premier monde, Mafiaton, dont l'esthétique fait penser à une fusion entre Wind Waker et Super Mario Sunshine. Le premier contact avec les contrôles a toutefois été laborieux. Jouant avec le clavier et la souris, l'impossibilité de configurer ses touches m'a un peu perturbé. <laughs> non, jeu de plateforme au clavier et à la souris Moi, <laughs> bon, ça serait comme de faire un FPS à la manette <laughs> euh... hmm.

Comme j'avais la flemme de mettre mon clavier en anglais, j'ai tout fait avec les touches directionnelles et j'ai alterné entre souris et trackpad pour manier la caméra tout en sautant. Je sais, je sais, faut que j'investisse dans une manette pour PC. Mais quand même, configurer les touches, ça devrait être la base dans les options d'un jeu. A cela s'ajoutent les quelques bugs et problèmes de collision et de caméra que j'ai pu trouver dès les premiers déplacements. Ces petites imperfections de contrôle rappellent le côté indé du titre et laissent une première impression un peu mitigée. Ah, je confirme, hein, la caméra est difficile à gérer. Elle a du mal à s'orienter vers le haut, à bah, cette fâcheuse tendance à se replacer automatiquement derrière nous, ce qui peut avoir lieu. Pour... Pendant que l'on saute et nous fait ainsi rater la plateforme, elle semble ne plus savoir où se mettre dès que les environnements sont étriqués. Ennuyeux, certes, mais supportable la plupart du temps, dirons-nous. Termine, arrête de fouiller dans mon armoire. Bas les pattes. Psst. Il m'a fallu également un peu de temps pour m'adapter à la logique du monde ouvert. Chaque monde est divisé en plusieurs actes, un peu comme dans Super Mario Sunshine. Les missions à réussir pour collecter un sablier varient d'un niveau à l'autre et quelques éléments changent dans le décor global. Mais quand on me dit d'aller d'un point A à un point B, la première chose que je fais, c'est d'explorer toute la zone et de ne me diriger au point B qu'à la toute fin. Dans chaque monde, on peut collecter des pelotes de laine qui servent à débloquer des chapeaux avec des pouvoirs spécifiques, mais aussi des jetons qui permettent d'obtenir des bonus tels que des esthétiques différentes pour les chapeaux, de nouvelles couleurs de tenue ou des remixes de musique. Certains de ces items ne sont accessibles que lorsqu'on a débloqué. De Nouveaux chapeaux et donc de nouveaux pouvoirs, ce qui incite à revisiter les mondes un peu plus tard. J'ai mis un peu de temps à comprendre que les items sont à un emplacement permanent quel que soit l'acte choisi. De même pour les pouvoirs, je n'ai pas tout de suite cerné la nécessité de les utiliser au début, mais il s'avère bien pratique pour le 100%. Par exemple, le chapeau de sorcière permet de lancer des potions explosives, tandis que le bonnet de neige permet de se propulser en l'air via des plateformes flocons. J'ai également eu de la peine au début. C'est difficile de s'orienter et de bien saisir comment se contrôle notre personnage, ce qui peut parfois être source de frustration. Donc on va dire que le jeu nécessite un certain temps d'apprentissage afin en saisir les commandes, surtout durant le premier monde. Ce premier monde, bien que sympa, n'était pas le plus convaincant, mais c'est clairement à partir du deuxième monde que j'ai vraiment accroché au jeu. The Hat in Time brille par son humour et son originalité, et chaque acte nous propose une expérience totalement différente des autres. Infiltration en plein tournage d'un film, course folle dans un train qui va s'autodétruire, enquête dans les wagons à propos d'un mystérieux crime, fanfare avec des hiboux musiciens qui nous suivent en continu et qu'il ne faut surtout pas toucher, les bonnes idées ne s'arrêtent pas et m'ont vite fait oublier les quelques petits bugs cités plus tôt. Non, termine, euh, ça suffit maintenant. Si, si tu peux pas te tenir, tu, tu, tu retournes dans ta à Moi, j'en ai marre. Euh, euh, oui, euh, c'est pour moi la grande force de Hat in Time. Cette capacité à se creuser les méninges et à envisager la plateforme 3D comme quelque chose de plus que juste un collectaton ou une simple succession de sauts à effectuer. Chaque niveau regorge de petites idées, parfois plus intéressantes que d'autres, mais il parvient à se renouveler à chaque acte. Et... bah c'est cool! <laughs> Les troisième et quatrième mondes se montrent tout autant agréables, originaux et diversifiés dans leur gameplay et leur game design. On explore, on voyage, on passe un très bon moment de jeu. À cela s'ajoutent les musiques, toujours adaptées à l'ambiance, dynamiques et que je ne me lasse pas de réécouter, surtout le remix électro du niveau dans le train. Une vraie réussite auditive. Concernant les boss, ils méritent clairement leur titre de boss. Mario m'avait presque fait oublier ce qui est un vrai affrontement challengeant qui ne se termine pas juste en trois coups avec un pattern assez pauvre. Ici, il ne faut pas se priver de donner plus d'une douzaine de coups, les phases sont variées, les attaques sont impressionnantes et il faudra de l'endurance, de la concentration et de bons réflexes pour réussir. La victoire devient alors réellement gratifiante pour le joueur compte tenu des efforts qu'il faudra mettre pour réussir. Les ennemis et les combats sont vraiment tous très originaux sauf celui de Mafiaton qui était un peu basique. Je crois que Mario et ses boss oubliables ou possible a tellement trusté le domaine de la plateforme 3D qu'on a fini par oublier qu'on pouvait aussi imaginer de vrais combats de boss originaux et qui proposent du challenge. En fait. J'avais un peu peur au début que la collecte des 40 sabliers soit rapide, mais au final, j'ai mis 15 heures pour finir le jeu à 100% et l'expérience s'est montrée très satisfaisante. Je me suis beaucoup amusé et je n'ai cessé d'être émerveillé et impressionné par le potentiel de A Hat in Time. Cela fait vraiment plaisir de voir un tel projet indépendant qui fait honneur à l'âge d'or des plateformers 3D et notamment ceux de Nintendo. En bref, il s'agit d'un de mes plus gros coups de cœur de 2017 et je vous le recommande si vous aimez ce genre de jeu qui mélange exploration, phase de plateforme et bonnes idées. Il semblerait même que pour la fin de cette année, les développeurs ajoutent un mode coop et de nouveaux mondes gratuitement dans le jeu. Je vais aussi vous le recommander d'ailleurs. Hat in Time est loin d'être parfait, mais il montre tellement de bonne volonté pour se démarquer d'un simple jeu de plateforme 3D qu'il s'en dégage finalement un charme assez irrésistible. Du moins beaucoup plus que dans Mario Odyssey. <laughs> Ah, le mois de mai. La nature semble revivre à nouveau. Tout le monde a les yeux rivés vers la grande fête du marketing vidéo ludique. Les triple A se font rares. La Switch continue d'être une Wii U que les gens aiment. D'ailleurs, vous saviez que Tropical Freeze était sorti sur Switch Il n'est jamais trop tard pour y jouer, hein. Mais ne pouvant refaire une chronique sur le même jeu, le marasme ambiant m'oblige à ouvrir Steam pour y trouver l'inspiration recherchée. Que j'ai trouvée en Doki Doki Literature Club. Un jeu que vous m'aviez d'ailleurs recommandé. Euh. N'y voyez aucune forme de validation de vos procédés, hein. Hmm. Doki Doki Literature Club, ça n'est pas que du contenu pour Let's Player sur Youtube, c'est un titre qui nous rappelle que lorsqu'on est un jeune homme de 16 ans un peu quelconque, qui passe son temps à lire des mangas, l'intérêt insistant que nous portent quatre jeunes femmes ridiculement attirantes trahit le fait que l'on est soit en train de rêver, soit... ...bah en train de jouer à un jeu vidéo <laughs> Bien que le terme « jeu vidéo » soit très ambitieux pour le décrire, vu que l'interactivité consiste à... ...à euh, cliquer sur l'écran pour faire défiler du texte. Voilà pour cette analyse détaillée du jeu, merci beaucoup je vous rassure, je ne ferai pas la blague éculée de lancer à tort le générique de fin pour signifier... Mais j'ai dit que je ne ferai pas hmm. Hmm? Mais c'était quoi ça ah, Bref, Doki Doki Literature Club est donc un visual novel qui nous raconte l'histoire d'un ado que sa voisine et amie d'enfance va convaincre de rejoindre le club de littérature de son lycée en l'abadouant avec de succulents muffins. Des... Des cupcakes Trahison Un club de littérature dont les membres sont des filles trop kawaii, ornées de coiffures parmi les plus sophistiquées qu'il m'ait été donné de voir. Suite aux présentations et au fil des dialogues, on découvre peu à peu leur personnalité dans une atmosphère mièvrement positive, entre la musique aux tonalités festives et majeures et l'attitude toujours un peu aguicheuse de ces demoiselles. La principale contribution de notre part, niveau gameplay, est la rédaction de poèmes pour lequel le jeu nous demande de choisir des mots clés, le but étant qu'ils plaisent à celle des quatre que l'on préfère. Des poèmes qui permettront le lendemain, après les avoir Échanger, de passer un moment en tête à tête avec celle qu'il a le plus apprécié. Des instants riches d'une espèce de tension érotico dragouillatoire qui m'a quelque peu donné la désagréable impression d'être une sorte de pervers. Mais tout ceci n'est en réalité qu'une manière de nous amener à un événement que je ne spoilerai pas, mais dont on redoute fortement la venue à la lecture du message de début de jeu et des poèmes des filles qui trahissent un état psychologique à l'opposé de leur apparence. Euh... Enfin, regardez-les, quoi! Un événement qui va tout faire basculer, et qui m'a rappelé un peu Spec Ops The Line. Lorsque le jeu nous fait nous sentir coupables de quelque chose qu'il nous a forcé à accomplir, tout en nous donnant l'illusion qu'on aurait pu l'éviter. Ni à partir de là, on va dire que le jeu part en sucette. Genre grave en sucette. Il utilise pour cela des méthodes qui, au passage, m'ont rappelé Undertale ou Nier Automata. Comme pour ces jeux-là, cependant, spoiler la manière dont le jeu signifie au joueur qu'il est conscient de sa nature vidéoludique revient à totalement réduire son intérêt à zéro. C'est pourquoi je vais me contenter de vous recommander Tokidoki Literature Club. Surtout qu'il est gratuit et... Bah, ce doit de l'être, en fait. <laughs> Cette manière qu'il a d'utiliser les ficelles narratives et techniques du jeu vidéo pour nous faire perdre nos repères était... Ben plutôt brillante. Un jeu où le seul moyen de gagner est de ne pas jouer, finalement. Et sa forme kawaii exagérée finit par s'entrechoquer brillamment avec la manière dont il se regarde les entrailles. Bien que je ne sache pas s'il fonctionne aussi bien si l'on est une femme. Hmm. Non, ce que je sais, c'est ben qu'il va me falloir maintenant enchaîner sur autre chose. Heureusement, en vérifiant les sorties du moment, je suis tombé sur Frostpunk. Un jeu de gestion post-apocalyptique à l'esthétique steampunk. Alors, qu'on commun, un visual novel qui part en sucette et un jeu de gestion post-apocalyptique Voyons voir ça. Donc dans Frostpunk, le monde a soudainement sombré dans un froid glacial, ce qui pousse certains habitants de Londres à trouver refuge dans le Grand Nord. J'aurais pensé que dans une telle situation, on aurait plutôt tendance à se diriger vers l'équateur, mais bon, arrivés sur place, ils vont tous se réunir autour d'un énorme chauffage à charbon et essayer de redémarrer une nouvelle vie malgré le froid glacial omniprésent. Et ils vont le faire grâce à nous. Mais par nous, j'entends moi. Leur commandant suprême qui va être à la fois leur guide, leur gardien et leur patron incontesté. Nous boulons les feignasses Frostpunk est en réalité assez classique dans sa partie gestion pure. On ramasse des ressources qui permettent autant de garder le chauffage allumé que de construire des bâtiments pour loger, nourrir ou soigner tout le monde. On envoie des équipes en expédition pour explorer les alentours, découvrir différents points d'intérêt et ramener des ressources et nouvelles personnes. Et on améliore notre arbre technologique afin de pouvoir faire face à des conditions climatiques toujours plus sévères ainsi qu'à une population qui ne cesse de croître. Son originalité tient au fait qu'il s'agit d'un jeu de gestion scénarisé. C'est-à-dire que le jeu va nous balancer au visage des événements fixes qui vont venir mettre à mal notre routine et nous poser des défis à surmonter en adaptant nos priorités ou en relançant nos sauvegardes, bien entendu. Et comme pour Doki Doki Literature Club Attention connexion de ouf Le tout bâtit un chemin vers un moment déterminant que je ne vais pas non plus spoiler car l'intérêt même du jeu en deviendrait caduque. Mais là aussi, l'objectif de Frostpunk est finalement de nous forcer à faire des choses tout en nous donnant l'illusion du choix avant de nous le reprocher à la fin, amenant ainsi une réflexion sur nos actions. Mais le truc, c'est que ce coup-ci, euh, bah ça ne marche pas très bien. En gros, les circonstances nous forcent à adopter certaines lois à l'éthique discutable. Mais les enfants, qui veut aller bosser à la mine de charbon Me suivez donc pour pour le clown Et la situation dégénère même jusqu'à devoir choisir un moyen de contenir une partie de la population qui déstabilise l'ordre public. Soit l'autoritarisme politique, soit la foi religieuse exacerbée. J'ai pris l'autoritarisme. Parce que s'il si y a un dieu, il me semble que la situation prouve qu'il nous a définitivement abandonnés. C'est moi, votre Dieu maintenant. Mais tous les choix et décisions que l'on prend dans Frostpunk sont finalement le résultat d'une réflexion pragmatique. On ne construit pas une prison pour y enfermer tout le monde. On le fait pour augmenter l'espoir auprès de la population et calmer un peu les deux ou trois fauteurs de troubles. On ne met pas des additifs dans la bouffe par méchanceté, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tous les réfugiés qu'on a accueillis et qui s'entassent dans les infirmeries. On n'oblige pas nos mineurs de charbon à faire un tournus de 24 heures par cupidité. Mais parce que sinon, bah tout le monde va mourir de froid. Donc au final, quand le jeu essaye de nous donner mauvaise conscience... Bah ça marche pas. Et pire, en finissant le jeu, maintenant que le plus dur est passé, que l'espoir renaît, bah qu'est-ce qui m'empêche d'abroger toutes ces lois, d'envoyer les enfants à l'école, de donner des week-ends aux travailleurs et je ne sais quoi d'autre, vu que c'est moi qui décide Hein C'était plutôt marrant hein, de jouer à Frostpunk, de voir les heures défiler en regardant sa petite ville grandir, telle une culture de bactéries. Mais le message qu'il souhaitait me transmettre n'est finalement pas très bien passé. Alors, qu'ai-je appris en comparant Doki Doki Literature Club et Frostpunk Bah déjà que parfois, spoiler un événement important d'un jeu, c'est en retirer tout le sel, mais surtout, si un jeu souhaite me faire culpabiliser quant aux conséquences des actes qu'il m'a forcé à entreprendre, ben bah il est impératif que ces conséquences me paraissent irréversibles. Voilà. Euh, euh, euh... Euh... Mais qu'est-ce que de nouveau... Oh, pour l'amour du... Lancez le générique de fin, vite, vite Les jeux sortent, ils ont leur petite fenêtre d'attention médiatique, puis on les oublie. Un procédé qui semble s'accélérer de plus en plus dans ce monde inondé de tous côtés par les œuvres de divertissement. Les vidéos YouTube ne font d'ailleurs pas exception. Difficile d'intéresser les gens pour des critiques de jeux sortis il y a à peine deux semaines sans avoir recours à des procédés provocateurs. C'est triste, mais je suis malgré tout content que vous ayez trouvé 8 minutes pour m'écouter. vous semblez d'ailleurs vif d'esprit. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai joué à Detroit Become Human, le dernier jeu de Quantic Dream. Nah, Quantic Dream, je vais être direct, je n'ai jamais été emballé par aucune de leurs productions. Fahrenheit est un nanar assez pathétique, mais finalement plutôt hilarant. Heavy Rain gardait ce petit côté de nanardesque, mais parvenait à être plus haletant, même si sa résolution m'avait laissé sur ma faim. Et Beyond était... Euh... Oh mon dieu Beyond. Bref, la sortie de Detroit s'est d'ailleurs faite dans un contexte un chouïa tendu. Entre les articles de presse accusateurs basés sur les témoignages d'anciens employés et le studio qui a attaqué en justice les journaux qui avaient révélé l'affaire histoire de leur mettre la pression, tout va bien. Cela explique peut-être que la presse est arrêtée de parler de cette affaire. Mais je ne suis pas la presse. <laughs> Donc, si vous ne le savez pas, Reproche globalement au studio de David Cage trois choses. Des horaires de travail inhumains, des blagues internes à l'humour scabreux visant à ridiculiser des employés, et des procédés étranges, voire quelque peu illégaux, lorsqu'il s'agit de se séparer de certains employés devenus surnuméraires. Maintenant que ces informations sont relayées, je n'ai plus qu'à choisir un avocat. MDR. On est donc dans le futur, et une fois de plus dans l'industrie du divertissement, ces foutus androïdes ont commencé à rêver de ces foutus moutons. Référence mise à part, en 2038, une gigantesque corporation basée à Détroit a démocratisé depuis longtemps l'utilisation d'androïdes aux états unis Des androïdes qui ont progressivement remplacé les humains pour toutes sortes de tâches ingrates ou difficiles. Un développement économique qui a mis une bonne partie de la population au chômage et celle-ci ne voit pas d'un bon oeil la présence étouffante de ces morceaux de plastique, comme elle les appelle. C'est dans ce contexte que certains androïdes commencent à montrer des signes de déviance en ne respectant plus les directives pour lesquelles ils ont été programmés et commettent des agressions contre leurs propriétaires. N'est-ce un dysfonctionnement de leur programme sont-ils en train de faire des rêves avec des moutons dedans et la réponse est bien entendu dans le titre du jeu, faut dire qu'il n'y aurait pas grand chose à raconter sur des androïdes ramenés au service après-vente. Le jeu va ainsi nous promener dans trois arcs narratifs distincts qui finiront tous par se rejoindre à la fin. Celui de Connor, androïde dernier cri, chargé par la méga corporation d'enquêter sur les cas de déviance en tandem avec un lieutenant de police désabusé et alcoolique. Celui de Kara, jeune femme qui dégouline la pureté et l'innocence et qui, suite à l'agression perpétrée par son propriétaire sur sa fille, va développer des instincts maternels. Parce que c'est une femme androïde, donc elle veut être maman. Vous voyez Et enfin, Marcus, assistant personnel d'un riche artiste en fin de vie qui, suite à un événement tragique, va se retrouver laissé pour mort avant de renaître de ses cendres, et devenir une sorte de mélange entre Jésus et un leader terroriste. Alors, est-ce vraiment utile de se pencher sur le gameplay dans un jeu quantique Dream La question se pose, tant il brille une nouvelle fois par son absence. Un jeu qui semble regarder la manette comme un simple dispositif sur lequel on peut appuyer de manière aléatoire pour faire progresser l'intrigue, sans vraiment trouver de règles tangibles. Une action contextuelle un peu random, QTE lors de séquences de poursuite ou de combat, sélection du ton utilisé pour les réponses d'un dialogue, on commence à connaître la rengaine. On trouve cependant quelques éléments un peu plus originaux, comme des phases d'enquête plutôt captivantes et, euh, bah, quelques autres trucs. Et Normalement, bah, le jeu prend en compte le fait qu'on puisse juste échouer. Non, on ne peut plus enfermer le personnage dans une boucle temporelle jusqu'à ce qu'on daigne à appuyer sur les justes boutons. Comme dans Beyond. Ce que j'entends, c'est que le jeu prend en compte nos échecs pour choisir sur quel embranchement narratif il va nous faire progresser. Et c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est que notre réussite dépend souvent de la vitesse à laquelle on est capable de localiser les boutons qui s'affichent à l'écran, et que je suis assez nul dans ce domaine. Ne putain de gâchette LR! Donc, une nouvelle fois, la question est est-ce que les embranchements scénaristiques, la trame, le jeu d'acteur, l'écriture, la mise en scène, vous savez, ce qui fait un bon film, <laughs> est-ce assez bon pour que l'on daigne oublier l'absence de gameplay Ben, pour une fois, oui. Enfin, en partie. Les arcs de Marcus et de Cara sont assez typiques de Quantic Dream, on y retrouve cette espèce d'aspect excès, Et les thèmes habituels, comme le surnaturel, la relation parent-enfant, ainsi que la pluie et la neige. Hmm, il faut croire que David Cage pense que cela augmente l'intensité dramatique. Mais je ne suis pas sûr de savoir si l'arc de Cara a vraiment une autre fonction que de nous émotionner. De, 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 nous, de nous émotionniser. De nous David Cage-iser <laughs> Mais l'arc de Connor tranche pas mal avec ce que l'on avait pu voir jusqu'ici. Que je me demande si c'est vraiment David Cage qui l'a écrit. Pour moi, Kara et Marcus sont des archétypes. Qu'ils soient humains ou androïdes n'a pas d'importance, alors que Connor est un personnage, un vrai. C'est lui qui est intéressant. Il est ambigu, il est insondable. Pense-t-il des choses Joue-t-il pour les androïdes Pour les humains Pour lui-même Par son côté mystérieux, façonner sa personnalité au cours de l'aventure par des choix est intéressant. Cette impression d'essayer de décrypter ce qu'il pense. Un big up à la performance de l'acteur, d'ailleurs, excellente. Ce que j'entends, c'est que. Bah c'est Connor que je veux jouer. Les deux autres je m'en fous. Voyez la chose comme ça. Dans une cuisine, vous préférez enquêter en reconstituant une scène de crime et en remontant des pistes d'indices? Ou faire la vaisselle en frottant le pavé tactile? Euh, moi j'ai ma réponse. Non, je ne juge pas la vôtre. Euh, mais j'ai raison. Tu es en train de juger le jeu en le comparant à ce que tu aurais voulu qu'il soit. Exactement, cher public. Pour moi, ce procédé narratif à trois personnages n'arrive pas à faire honneur à l'univers. En fait, à travers Kara et Marcus, on veut nous montrer l'envers du décor, finalement. Mais est vraiment nécessaire N'aurait-il pas été bien plus fascinant de découvrir cette histoire de déviance à travers les yeux de Connor et Hank De remonter la piste indice après indice D'en savoir autant que sur la situation à force de trop pour montrer, j'ai fini par me poser des questions bizarres. Genre, comment ils font pour pleurer les androïdes Ils ont un réservoir de liquide dans leur tête On peut le remplir comme le liquide pour nettoyer le pare-brise d'une voiture Mais comment peuvent-ils boire du liquide Ils ont un système digestif Mais ça ressort par où alors ah, Peut-être est-ce mieux de ne pas le savoir. Detroit était-il malgré tout le meilleur jeu quantique Dream Oui. Et de très loin. C'est beaucoup mieux écrit et interprété, le design sonore est vraiment bon, et les différentes possibilités de résoudre une scène sont intéressantes à explorer, à tel point que j'ai fait le jeu deux fois, histoire de voir ce que ces embranchements narratifs avaient dans le ventre. Et je dois dire que... Bah, faire la vaisselle une deuxième fois, c'est toujours aussi chiant. Mais comme le jeu prétend nous dire que ceci n'est pas une histoire mais notre futur, bah, David Cage, il semble avoir une vision très. pessimiste de l'humanité. Elle qui traite les androïdes comme de la main-d'œuvre obéissante et disponible jour et nuit, des souffres-douleurs auxquelles on peut balancer les pires ignominies sans jamais être inquiété, et dont on peut simplement se débarrasser quand ils ne nous plaisent plus. Peut-être est-ce juste qu'il pense que l'humanité, bah, c'est lui et que finalement, si j'en crois les témoignages de la presse, bah il traite ses propres employés comme des androïdes, une nouvelle année, un nouvel 3. Donc je suppose qu'il est de bon ton de vous inviter une nouvelle fois chez moi, cher public, que l'on puisse regarder ces merveilleuses conférences ensemble. Le manuel du parfait petit youtubeur dit que cela crée ainsi une impression de proximité. Hmm, fascinant. Non, et n'oubliez pas le hashtag, il est écrit que tout bon youtubeur a un hashtag pour le 3 sur les réseaux sociaux. Laissez donc plein de messages que je ne lirai pas hein, parce que c'est juste pour la forme. Ah, c'est pas super d'être tous réunis, hein, comme une grande famille. Le 3 finalement, c'est un peu comme Noël, une grande fête commerciale qui fonctionne sur l'effet de surprise, mais pour laquelle internet se comporte comme un insupportable petit gamin qui s'en va fouiller dans toutes les armoires afin de trouver les surprises réservées à toute la famille. Puis le jour même, il se retrouve bien entendu déçu car il n'y en a finalement plus beaucoup des surprises. Petit bâtard. Et si vous n'avez pas d'infos, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours rédiger un document Word listant le prétendu contenu d'une future conférence. Mettez-le ensuite en ligne, attrapez vos pop corns puis admirez Internet s'enflammer à la vue de votre création. Mais qui sait Elle se retrouvera peut-être aussi dans un article de presse. À vous, la gloire. Et bien sûr, comme chaque année, les festivités de l'E3 commencent avec le truc qui embête tout le monde. Comme ce repas le 23 décembre chez votre tante insupportable qui vous refile la même camelote chaque année. La conférence EA. EA qui souhaitait visiblement qu'on l'applaudisse pour avoir retiré les lootbox de ses jeux? Euh, écoutez, EA, vous n'êtes pas un gamin de deux ans qui a appris à faire ses besoins dans son pot. C'est même le minimum qu'on attend d'une énorme entreprise qui brasse des milliards. Vous comprenez? 1h20 de conférence avec 10 minutes de gameplay d'un jeu qui venait de sortir, d'un jeu mobile qui doit bien plaire aux fans de Command Conquer, et d'un jeu auquel j'aimerais bien avoir envie de jouer, mais j'arrive pas. L'assurance empêche poche qu'on aurait les versions 2019 des trucs qui reviennent chaque année, à part Need for Speed, le calvaire se termine, le 3 peut enfin commencer. Allez, industrie du jeu vidéo, je suis prêt pour vos annonces de shooter AAA au monde ouvert post-apocalyptique avec fonctionnalité en ligne et météo dynamique. Faites entrer les trailers produits par des compagnies externes, si possible avec des ralentis et de la dubstep pour. C'est encore mieux! Célébrons donc ensemble le jeu vidéo comme un art passif et cinématographique! Et... Ah d'accord, j'ai épuisé ma dose de sarcasme. Alors bah révisons ensemble ces conférences qui nous étaient adressées. J'attendais un peu celle de Microsoft au tournant, qui ont bien du mal à me motiver à acheter une Xbox One. Une conférence somme toute assez classique, à savoir la promesse de plein d'annonces de jeux, dont la moitié prennent place à l'intérieur d'un montage vidéo condensé de 3 minutes, et une tripotée de jeux d'éditeurs tiers dont ils ont monnayé la présentation, et qui se retrouveront certainement sur d'autres plateformes. Ou pas, j'en sais rien. À force de tendre le terme d'exclusivité dans tous les sens, j'en viens à perdre le fil. Une conférence au relent très pavlovien, j'ai envie de dire, avec toutes ces itérations supplémentaires de franchises déjà connues. À se demander si le jeu vidéo AAA n'a pas bientôt atteint un point d'autosuffisance concernant les franchises qu'il utilise. <laughs> Quitte à faire les fonds de tiroir. Mais au final, ai-je envie d'acheter une One après cette conférence ben non, car les trois seules exclusivités first party sont Forza Horizon 4, qui a l'air pas mal, hein C'est tout de suite plus attirant lorsqu'on voit du gameplay. Mais surtout Halo Infinite et Gears of War 5, des franchises qui sont en perte de vitesse depuis des années et qui semblent un peu dépassées. Deux jeux qui de toute façon ne sortiront pas ces prochains mois. Donc tant pis. Un autre éditeur qui annonçait des jeux qui ne sortiront pas ces prochains mois, c'est Bethesda. Il me faudra malheureusement plus qu'un simple logo pour me réjouir de jouer à vos jeux dans deux ans. Mais quelle que soit mon admiration pour leurs prédécesseurs. Quant au gameplay de Rage 2, il souffrait d'un mal visiblement nouveau, à savoir la séquence de gameplay montée à grands coups de jump cut pour qu'elle n'ait pas l'air trop ennuyeuse. Ah, J'apprécie par contre que vous passiez du temps à expliquer les mécaniques de Fallout 76, même si je me permets d'être sceptique à l'idée d'évoluer dans un univers Fallout sans PNJ. À voir. Mais au moins, vous aviez quelques nouveautés pour la fin de l'année. Pas comme Ubisoft. Ubisoft qui souffre cette année du syndrome Sony, dirons-nous. Vous savez, lorsqu'un éditeur annonce en grande pompe tous ses jeux pour les trois prochaines années, histoire de se mettre l'opinion publique dans la poche, puis se retrouve les années d'après à parler des mêmes jeux. Enfin, pas tous les mêmes. Vous vous souvenez, lorsque j'avais prophétisé avec sarcasme qu'Assassin's Creed sortirait tous les deux ans, jusqu'à ce qu'on soit tous morts pas ben, j'étais loin du compte <laughs> Lorsque la satire est battue à plate couture par la réalité, je m'avoue vaincu. Ce qui ne signifie pas que 11 mois sont suffisants entre deux Assassin's Creed pour que j'aie à nouveau envie d'y jouer, hein. Mais sinon, que dire si ce n'est Ubisoft montre le très joli trailer en image de synthèse de leur futur jeu Se pose alors la question, bah que dire sur une vidéo en image de synthèse réalisée par une boîte externe qui a certainement autant joué au jeu que moi Que cela me donne une idée de l'expérience de jeu qui sera proposée? Non. Donc vous m'excuserez si j'attendrai sagement de mettre la main dessus. Regardez Sony, ça c'était intéressant. À croire qu'il faut avoir grillé toutes ces cartouches pour pouvoir s'attarder un peu plus longuement sur les jeux. Quatre séquences de gameplay non retouchées qui nous en donnent un bon aperçu. Et comme ça je peux voir que deux d'entre eux me donnent une sacrée impression de déjà vu. Un autre commence à tellement cultiver le mystère qu'il finit par effriter ma curiosité. Et The Last of Us 2 avait de sacrées animations dynamiques. Avoir voir manette en main donc. Des jeux qui sortiront... Ben dans très longtemps pour la plupart. Et puis bien sûr, il y a Nintendo. Nintendo qui va bientôt me faire regretter d'avoir acheté une Switch. Nintendo qui pense que les gens n'ont rien d'autre à foutre de leur journée que de les regarder passer en revue les personnages du prochain Smash Bros. Pendant 30 minutes. Waouh Donc c'est un Smash Bros qui regroupe tous les persos et stages des précédents Mais formidable On a donc du fan service fait à partir de fan service. Vous aimez Smash Bros Dans ce cas, je vous souhaite bien du plaisir dans votre bulle. Vous vous en foutez eh bien, vous avez perdu 30 minutes de votre vie que vous ne reverrez jamais. C'est fascinant cette capacité qu'un Nintendo a systématiquement décevoir lorsqu'on les attend au tournant. Enfin bon. C'est donc un E3 de plus, un E3 un peu comme les autres, un E3 qui annonce un énorme embouteillage de sortie en fin d'année et en février, alors que ces temps-ci c'est le désert. Un E3 fait de promesses et de paillettes, un E3 dont les principales cartes ont été dévoilées bien avant l'heure, un E3 qui ne m'inspire rien de plus que ce que j'ai dit les années précédentes. Donnez-nous des démos à télécharger pour les jeux prévus pour la fin d'année. Faites-nous prendre la manette, au lieu de simplement nous abreuver de trailers cinématographiques. Mais... comme tout le monde, il m'est impossible de nager au milieu de cette quantité astronomique d'annonces sans qu'une ne parvienne à titiller ma curiosité. Je suis content qu'Ayo Interactive puisse sortir un deuxième volet de Hitman, d'autant que ça n'était pas gagné d'avance. Et j'ai envie de faire mumuse avec la météo dynamique de Just Cause 4. Eh... Et... Non et puis zut, le remake de Resident Evil 2 me fait de l'œil. Il a l'air bien gore et glauque comme je les aime. En plus, au milieu de cet océan de monde ouvert, bah il paraît presque original, ce qui est fou quand on y pense. Et il faut croire que, bah moi aussi finalement, au fond de moi, j'y suis sensible à ces paillettes et à ces cloches de Pavlov. Ouh, c'est bientôt les vacances, les vacances, Hihihihi. Ah, comprenez moi bien j'adore jouer à des jeux vidéo et les critiquer dans des vidéos youtube mais en toute sincérité j'adore tout autant ne rien faire sur une chaise longue et profiter un peu du temps qui passe cependant comme avant chaque pause vacancière je ne pouvais conclure cette saison des chroniques sans vous proposer quelque chose d'un peu spécial c'est pourquoi je voulais vous raconter l'histoire de plouf le milliardaire lui qui avait une vision celle d'un gigantesque parc d'attractions abritant les plus beaux les plus terrifiant des dinosaures, ainsi que des attractions par dizaines. Il voulait dépenser sans compter et utiliser le savoir-faire de ses nombreux scientifiques pour enfin créer le dinosaure ultime, le Ploufosaure. Les gens affluraient du monde entier pour l'admirer et seraient heureux dans son parc. Puis, sans qu'ils ne s'y attendent, il ouvrirait toutes les portes de sécurité et admirerait la nature reprendre ses droits et ses dinosaures dévorer ses clients un à un, dans un chaos total, un véritable cauchemar réveillé. Mais cette histoire n'aura malheureusement pas lieu. La faute à Jurassic World Evolution qui s'est finalement avérée. Euh, pas très bon. Allez, cher public, crions-lui dessus en cœur. Bouh Bouh Donne-moi ça à toi. 부르르르르르르 eh, que voulez-vous? difficile de trouver l'inspiration pour écrire une belle histoire de gens qui se font dévorer par des dinos affamés lorsque l'on joue au produit dérivé d'un film sorti à la hâte et sans beaucoup d'autres ambitions que d'être un faire valoir beaucoup trop cher, ainsi qu'un jeu de gestion bien trop bancal. donc, le jeu nous met dans la peau du gérant qui va devoir construire non pas un, mais cinq parcs similaires situés sur cinq îles distinctes, qui se débloquent au fur et à mesure de notre progression, une progression qui dépend du nombre de contrats et d'objectifs que l'on remplit et reliée à trois secteurs différents pour chaque île, à savoir la science, la sécurité et le divertissement. Une fois que l'on en a rempli suffisamment, cela débloque alors un gros contrat qui fait office de mission principale à compléter pour plus ou moins terminer l'île et passer à la suivante. Des missions principales qui sont presque toujours une affaire de créer tant de dinosaures différents avec tant de caractéristiques spécifiques et les faire cohabiter dans un enclos pendant un laps de temps précis. Une idée hein, parfaitement logique lorsqu'elle émane du secteur divertissement beaucoup moins lorsqu'elle provient du secteur de la sécurité. Euh... Vous voulez que je crée plusieurs carnivores et les fasse cohabiter Au risque qu'ils détruisent leur enclos et se mettent à manger tout le monde euh, Je commence sérieusement à me poser des questions sur vos compétences, monsieur sécurité oui, Jurassic World Evolution manque totalement de cohérence dans les choses qu'il nous demande. On voit une expédition chercher des fossiles d'herbivores nous demande la division science. Fait exactement la même chose nous demande la division sécurité. Bah qu'est-ce que ça pourrait bien avoir à faire avec la sécurité du parc Mais euh, pas grand chose, mais le jeu... Bah ben, ils sont fous Comme pour tous les jeux de gestion, l'argent c'est le nerf de la guerre, et ce qui permet de construire bâtiments, routes, réseaux électriques et dinosaures. On obtient de l'argent en vendant des billets d'entrée aux visiteurs qui sont notre principale et presque unique source de revenus régulière. Le seul moyen d'augmenter leur nombre est de construire des enclos avec des dinosaures à l'intérieur pour que nos clients puissent bah, les regarder bêtement. Plus on a de dinosaures différents, plus ils affluent et plus on gagne de pépettes. Et puisqu'étrangement, l'unique élément qui nous coûte de l'argent sur le long terme, c'est l'électricité, ou alors les éventuels procès que nous font les avocats. À des gens qui se sont fait manger par les dinosaures qui se sont échappés de leur clôture, ben bah on sait rapidement plus quoi faire de toutes ces thunes qui tombent du ciel. Donc, si l'argent n'est rapidement plus un problème, bah où se situe le challenge de Jurassic World Evolution C'est simple, avoir la patience nécessaire afin d'effectuer suffisamment de tâches répétitives et chiantes pour remplir les conditions requises par les trois missions principales de chaque île. Voilà par exemple, pour trouver le génome complet de six dinosaures, il faut... Envoyer manuellement des équipes de chercheurs trouver des fossiles, attendre trois minutes qu'ils reviennent, cliquer individuellement sur chaque fossile trouvé pour les envoyer en laboratoire, et répéter cela une trentaine de fois pour finalement remplir les conditions. Et n'espérez pas pouvoir mettre ce genre d'action en file d'attente, hein Le jeu, il n'a pas prévu ça. En d'autres termes... Bah c'est très chiant de jouer à Jurassic World Evolution, sans parler du fait qu'on construit finalement 5 fois le même parc. Alors il y a bien des nouveaux bâtiments à débloquer en remplissant certains contrats à la con, mais ils semblent uniquement cosmétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une salle d'arcade Choisir le prix pour les parties de jeu Jouer à un petit jeu en pixel art où un T-Rex doit manger un maximum de monde Non, on peut juste avoir une salle d'arcade qui va tourner toute seule comme une grande. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un restaurant Choisir les menus Choisir le mobilier ou le thème du restaurant Engager plus ou moins de personnel pour le faire tourner non, on a juste un restaurant qui tourne tout seul comme par magie. Mais à voir les finances de mon parc, il semblerait bien que mes employés travaillent gratuitement tout presque. Hmm, Serait-ce des robots ou des esclaves Auriez-vous projeté de mettre de la gestion dans votre jeu de gestion Non, alors est-ce juste une histoire de dinosaures qui font des trucs Des dinosaures qui, bah, je l'avoue, sont fort joliment animés et modélisés. Ils sont jolis. Ce sont de fort jolis dinosaures. Se pose alors la question bah cela fait-il sens d'un point de vue vidéoludique d'avoir visiblement concentré la majorité des moyens de développement pour créer des dinosaures super détaillés Dans un jeu qui nécessite d'avoir une vue aérienne d'ensemble depuis laquelle ils ressemblent à des petits points verts Certes, on peut modifier génétiquement nos dinosaures, bien que je ne sache toujours pas ce que ça change vraiment, mais ça n'aurait pas été plus sympa de mettre un éditeur de dinosaures qu'on puisse créer le nôtre Ou cela aurait-il cassé l'aspect fan service du jeu Soit, mais dans ce cas, si c'est du fanservice, puis-je savoir où sont les dinosaures aquatiques Où sont les dinosaures volants Où est l'endroit où les enfants jouent avec les bébés dinosaures Mais c'était dans le film pourtant. Ou est-ce qu'on s'en fout On le rajoutera plus tard Les deux Mmh, les deux, certainement. Et quand je vois que le jeu vend déjà des packs de dinosaures supplémentaires en DLC, bah j'ai quand même sacrément l'impression de m'être fait arnaquer. Mais je ne vais pas blâmer le développeur Frontier pour cela. Non, je pense sincèrement qu'ils sont capables de bien mieux que ça, et que telle n'était pas leur intention. Je vais simplement blâmer l'éditeur. Un éditeur qui souhaitait que la sortie du jeu coïncide avec la sortie du second film de la franchise, afin de profiter de la fenêtre d'attention médiatique de la marque Jurassic World. Quitte à sortir un jeu pas vraiment terminé et vendu plein pot. Bouh mais alors voilà, on est en 2018 et certains jeux vidéo sont toujours malgré tout pensés comme des produits dérivés, censés à la fois promouvoir et profiter de la sortie d'une autre œuvre culturelle. N'en N'est-ce pas un formidable message d'espoir afin de conclure cette saison des chroniques, hein Ah, avouez. Ah Peut-être est-il simplement temps d'arrêter pendant quelques semaines de me plaindre des jeux auxquels je joue pour vaquer à d'autres activités estivales. Mais avant cela, puisque je vous ai sous la main, j'ai trois choses à vous annoncer. Premièrement, les chroniques reprendront le jeudi 30 août à 18h. Donc je me réjouis déjà de vous retrouver à la rentrée. Deuxièmement, dans l'idée de vous faire découvrir de nouvelles chaînes, j'ai décidé cet été d'inviter quatre chaînes YouTube à poster une de leurs vidéos sur ma chaîne pendant les vacances. Des chaînes qui font toutes de la review, test ou critique de jeux vidéo. Donc ces prochaines semaines, si vous souhaitez découvrir de nouvelles excellentes chaîne YouTube, bah venez donc regarder leur production ici même, les 4 prochains jeudis à 18h. Et troisièmement, je vais peut-être faire des lives cet été, mais je ne sais pas encore quand. Parce que pour le moment, j'ai juste besoin de vacances. Alors je vous souhaite un bon été, et on se revoit officiellement le 30 août. Allez, bonnes vacances, chère public. Bisous. Je suppose qu'il est temps de mettre un terme à la flânerie estivale pour que les choses reprennent leur cours. Le beau temps, les baignades insouciantes, les soirées passées au clair de lune, tout ceci n'est maintenant qu'un lointain souvenir. Il est grand temps de revenir aux choses sérieuses. Non, mais j'ai pas passé mon été sur une chaise longue. Hein. Ça n'était qu'une mise en scène de ma part. C'est moi qui contrôle tout ici. Regardez, regardez. Je peux faire ça. Regardez, regardez, regardez. Hop. Si je le voulais, je pourrais même vous faire disparaître. <laughs> il a rien que vous puissiez faire à la contre. <laughs> non, mais je vais pas le faire. Sinon, qui viendrait m'écouter geindre à propos de jeux vidéo Considérez-vous donc comme chanceux. Louez soit ma miséricorde. Bien, cet été, j'ai profité du temps libre pour jouer à des tas de jeux. Et surtout des jeux rétro. Rétro. Mais je n'aime pas ce terme. Que signifie-t-il Pas grand-chose, si vous voulez mon avis. C'est un terme qui semble avoir été inventé il y a une douzaine d'années lorsque les gens de mon âge prenaient plaisir à redécouvrir les jeux de leur enfance. Les jeux qui se plaçaient en opposition aux sorties de l'époque, qui tendaient de plus en plus vers un style de jeu qui... Bah, nous emmerde encore à l'heure actuelle. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a dans ce terme un petit côté snub, mais... Ce que j'entends c'est que... Bah, c'est quoi un jeu rétro Il faut qu'il soit en 2D Il faut du pixel art Il y a une date limite C'est pas très confus tout ça Au niveau sémantique Hmm? J'en suis personnellement arrivé à la conclusion suivante. <coughs> Il y a des jeux vidéo. Chacun est bien entendu intimement lié à la période et la plateforme sur laquelle il a été conçu, et le temps n'est qu'une épreuve qui permet de faire un tri qualitatif au-delà de tout aspect nostalgique. Tout ça pour dire que j'ai joué à Final Fantasy VI cet été, dans sa version Super Nintendo, puisque Square Enix semble avoir la désagréable habitude de refiler des designs dégueu à leur remake. Donc Final Fantasy, on va dire que. Bah, ce premier encart entre nous n'a jamais eu lieu. Montre-moi que tu mérites le terme de classique! Numéro 6 Bien, on est donc dans un JRPG, avec une trame elle aussi des plus classiques, puisqu'on débute avec une fille nommée Terra, dotée de pouvoirs surnaturels inconnus, amnésiques, et bien entendu, et recherchée activement par les méchants. Les méchants qui souhaitent mettre la main sur le pouvoir de la magie qui a disparu du monde il y a mille ans, et Terra semble avoir quelque chose à voir avec tout ça. Mystère. Une magie qui leur permettrait de euh, faire des trucs de méchants, genre euh, tyranniser la population, être les plus puissants de la Terre, tous ces trucs. Terra va donc partir en vadrouille tout en rencontrant au fil des heures nombre d'acolytes au cœur pur et au passé tragique, mais tout ce petit monde prendra part aux intrigues politiques de chaque ville qu'ils traverseront pour stopper les plans démoniaques des méchants, etc. C'est un JRPG. Classique, certainement. Cliché... Euh... Un cliché doit être précédé par une référence sur laquelle se baser. Mais mes connaissances en JRPG étant limitées, je ne peux parler de cliché pour un jeu vieux de 24 ans qui incarne peut-être... Bah, la référence. Vous, vous voyez Mais sinon, que serait un JRPG sans le grinding de personnages Assurément... Euh... Euh... Autre chose Habituellement, dans cette catégorie, un JRPG nous propose soit de combattre selon notre bon vouloir, mais en fixant les barrières dans la progression, qui nous forcent à grinder a posteriori, soit nous contraint à combattre de manière régulière et nous oblige donc à grinder constamment. Final Fantasy VI choisit la seconde méthode. On se balade et tout à coup... Oui, les bruitages de cette chronique sont faits à la bouche. Les protagonistes prennent alors leur mal en patience, un peu comme un guichet de manque, pour faire leurs demandes de crédit les uns après les autres à base d'attaques physiques, spéciales ou magiques. Mais comme certains personnages ont des attaques spéciales bien plus performantes, on va assez vite avoir des persos préférés, mais d'autres qu'on ne peut pas piffrer, comme Lucky le voleur et sa commande dérobée qui fonctionne une fois sur dix en combat. Espèce de gros nulos. Mais cette méthode de grind, couplée à la rapidité des combats, permet à Final Fantasy VI d'avoir une mainmise impressionnante sur le rythme et la progression. Presque l'impression de vivre une fuite en avant par moment. Tout semble bien calibré pour que jamais on ne s'ennuie. Tout s'enchaîne à toute vitesse. Et j'admets volontiers avoir été très impressionné par la capacité qu'a Final Fantasy VI de ne jamais sombrer dans la routine. Tu commences à t'ennuyer Tiens, pourquoi ne pas séparer les personnages et faire trois arcs scénaristiques qui se rejoignent T'en as marre des grottes et des châteaux Alors allons dans ce train fantôme. Il y a même un opéra dans le jeu. Un opéra 16 bits Mais croyez-le ou non, il est. Ben, assez exceptionnel en fait. Et cette scène de l'opéra est plutôt représentative de Final Fantasy VI, de cette capacité qu'il a d'accomplir autant avec si peu. L'histoire est grandiloquente, mais elle est toujours représentée intelligemment avec les limites techniques de l'époque, comme lorsque l'on assiste à l'attaque d'un château avec des soldats qui sautent la tête la première contre ses remparts, ce qui donne un aspect à la fois mignon et un peu décalé à la chose. Et les sprites sont aussi simples qu'expressifs et des plus mignons. Mais si vous me connaissez, vous vous doutez bien que mon enthousiasme criard sert à mettre en exergue un Énorme point noir du jeu! Parce que je me demande en fait si Final Fantasy VI ne finit pas par en faire trop. Voici la chose. Tout ce que je vous ai raconté appartient en fait à la première partie du jeu. Et la deuxième partie change radicalement l'expérience. Sans vouloir spoiler, le monde va subir beaucoup de transformations, et le jeu demande que l'on repasse par tous les endroits déjà visités, avec une structure beaucoup plus ouverte et une progression plus libre. Une deuxième partie qui se justifie, scénaristiquement parlant, puisqu'elle permet aux héros de résoudre leur passé tragique et de regarder vers l'avenir, et... bah, c'est un JRPG, quoi. Mais le problème, c'est que le jeu perd alors soudainement cette mainmise qu'il avait sur la progression, et se change en un jeu qui... Bah, possède un peu tout ce qui me gave dans un JRPG. Tout à coup, on doit grinder nos personnages nous-mêmes, tout à coup, les donjons deviennent plus labyrinthiques, tout à coup, on tourne en rond sur la carte du monde à ne plus savoir où aller, et également tout à coup. Ben les combats aléatoires deviennent une sacrée tare. Parce qu'en renonçant à régler lui-même le rythme de la progression, le jeu finit inévitablement par donner l'impression que les combats aléatoires sont juste là pour entraver la progression. Comme s'il se mettait lui-même sur pause de manière aléatoire pendant 30 secondes, sans raison. Alors au début, on se dit qu'on va se concentrer pour ne pas y faire attention. Puis on commence à s'exaspérer à chaque fois avant d'entrer dans une phase où on se persuade nous-mêmes que cette fois-ci ça sera la bonne que le jeu va nous laisser tranquille plus de 15 secondes alors alors que non et on se sent trahi à cause de ça mais on y croit quand même toujours pour la prochaine et non ah <coughs> <coughs> mais je pense malgré tout que je peux vous Recommander Final Fantasy VI, en tout cas sa première partie. Ne vous étonnez sans pronom pas s'il vous glisse lentement des mains, emportant avec lui votre intérêt pour l'intrigue. Pour ma part, c'est au boss de fin que j'ai hissé le drapeau blanc. J'abdique, mon cher méchant, je reconnais ta supériorité et te souhaite beaucoup de plaisir au milieu de toute cette destruction qui t'est si chère. Sache cependant que tu seras de toute façon perdant. Parce que tu auras beau mettre tout le monde à tes pieds, réduire toute construction à l'état de souvenir, tout ce que tu finiras par trouver au milieu de ces champs de ruines et de ces terres dévastes. Et sera une nouvelle bande de héros à soupçonner au passé tragique résolu à mener le combat pour la justice et à grinder des dizaines d'heures durant pour finalement venir essayer de te buter les fesses. Encore, et encore, et encore, et encore. Parce que tu vis dans le monde merveilleux des JRPG et tel est ton destin, bonhomme. <laughs> C'est officiel, la saison des blockbusters est ouverte et quel meilleur moyen de la débuter que de voir la presse assurer la promo commerciale de Spider-Man en hélico au dessus de New York. Mais attendez, mais ça n'est plus la presse, c'est les influenceurs. Oui, car quand on est influenceur, on peut promouvoir tout et n'importe quoi, tout en se foutant royalement de tout. Venez sur YouTube, est-ce de l'info Du divertissement De la publicité non, tout le monde s'en tape. Blague à part, le fait de voir que les gens commencent à se poser des questions sur cette clique de troubadours a quelque chose de rassurant. Parce que si YouTube est devenu un média comme un autre, alors pourquoi diable serait-on soumis à un régime d'impartialité différent Pourquoi pourrait-on être un homme sandwich sans scrupules sous prétexte que c'est YouTube Enfin... Un homme sandwich, à la fin de la journée, il enlève son attirail, il ne va pas sur les réseaux sociaux poster des selfies en glorifiant son employeur. Ce que j'entends, c'est que YouTube n'est pas un pays merveilleux où l'éthique n'a pas lieu d'être. Personnellement, j'ai des règles d'éthique claires. C'est pas grand chose. Mais vous vous en foutez peut-être, hein. Mais je sais bien que rien ne changera sur YouTube dans un futur proche. Mais pouvez-vous au moins vous questionner sur la connivence entre les influenceurs qui émettent des opinions sur des produits et les fabricants de ces produits Non, ça serait fort judicieux de votre part. Bien, sans transition. Spider-Man sur PS4. En termes vidéoludiques, le seul rencard que j'ai eu avec Spidey remonte à Spider-Man sur Game Boy. Autant dire que cela s'apparente à un coup d'un soir il y a 27 ans, alors que j'en avais seulement 8. Bon, non mais qu'est-ce que je raconte Vous n'avez rien entendu. J'ai vu les films, cependant. Enfin, ceux de Sam Raimi. Sympathique. Euh, sauf le troisième qui était... d'étrange. Tout ça pour dire que mes connaissances en Spider-Manologie sont limitées, mais je suis bien heureux de les avoir eues lorsque j'ai lancé le jeu, vu qu'il part du principe qu'on connaît tout le contexte. On incarne donc Peter Parker, et Peter, ben c'est Spider-Man. Et cela fait maintenant des années qu'il fait des Spider-Trucs. Genre euh, combattre les méchants, en infligeant des dommages collatéraux à Manhattan. Peter travaille dans un laboratoire sous les ordres du Docteur Octavius Hmm... Je me demande bien ce qui va vous arriver. Il a un statut Facebook, c'est compliqué. Avec Mary Jane, une reporter dans un journal. Il a sa tante May qui travaille dans un abri pour. bah sans abri. Avec un chef qui ressemble sacrément au méchant que j'ai vu dans le trailer. Ce qui me rappelle qu'il ne faut jamais regarder les trailers de n'importe quoi. Quant à l'intrigue, eh bien, suite à l'arrestation d'un méchant nommé Fisk, Manhattan est prise d'assaut par un groupe terroriste chinois mené par Mister Negative, dont les super-pouvoirs sont. je sais pas bien. Inverser les couleurs Enfin, il a des super pouvoirs! Et le tout va partir en intrigue politico-terroriste avec Spidey et Mary Jane qui vont essayer de démêler ce bordel en équipe! Non, ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs, avec des personnages assez attachants, bien que les motivations des méchants s'avèrent être. Euh... Euh, disons que les actes des méchants semblent disproportionnés par rapport à leurs objectifs? Mais bon, ça doit être habituel dans le domaine des super-héros. Ah, ne vous en faites pas, je ne vais pas passer mon temps à chercher des incohérences dans un univers où une petite araignée pourrait être utilisée pour former une armée de super-héros qui colle au mur. Mais j'ai malgré tout un peu l'impression qu'ils ont raté l'occasion de raconter l'histoire de Spider-Man en jeu vidéo depuis ses origines. Ça aurait permis d'accompagner Peter Parker dans la découverte de ses pouvoirs, qui se seraient révélés à lui petit à petit, justifiant ainsi l'amélioration des compétences du personnage de manière diégétique Commencer par des déplacements un peu hasardeux puis s'améliorer. Enfin ce genre de truc. Mais là non, on est juste Spider-Man. Ce qui donne un peu l'impression de prendre le train en marche alors qu'il vient de partir. Hein, il aura quand même fallu 8 ans à Spider-Man avant de se dire que peut-être il pourrait améliorer ses pouvoirs. Non, enfin bref. Je suis parfaitement conscient hein, qu'expliquer un jeu en ne citant que les références qu'il utilise est l'incarnation même de la paresse. Mais... Bah ce n'est pas à 35 ans que je vais abandonner mon goût pour cette dernière. Alors imaginez si un jeu Ubisoft, un jeu Batman Arkham et Spider-Man avaient un bébé. Là, ne me demandez pas comment ça marchera, j'en sais rien Silence Bah c'est grossièrement cela, Spider-Man On est lâché dans un grand monde ouvert urbain, très détaillé, rempli à bord de collectibles, d'activités annexes de toutes sortes et d'événements aléatoires. Une trame principale nous fait passer d'un point à l'autre de la map, et y progresser permet de gagner de l'expérience et monter ainsi en niveau qui permettent de débloquer des nouvelles compétences dans un arbre du même nom. Mais habituellement, je ne vois pas d'un très bon oeil les jeux qui souhaitent me forcer la main quant à l'accomplissement d'objectifs secondaires, prétexte et insipides. Mais Spider-Man peut remercier sa bonne étoile d'avoir un système de déplacement. Hum, mmh, Autant mécaniquement que visuellement, se balancer entre les immeubles, ça fonctionne... Bah, J'ai presque envie de dire parfaitement en fait. L'altitude, la distance, la vitesse, la maîtrise des courbes, non vraiment, c'est la star du jeu. Accessible, intuitif. Il arrive même à reléguer le voyage rapide aux oubliettes, chose dont je suis pourtant friand dans les mondes ouverts. Et je me suis même surpris à collecter plein de trucs et à effectuer des quêtes secondaires dont les récompenses m'étaient bien égales. Spider-Man nous apprend donc que si l'on veut que les joueurs ramassent tous ces trucs partout dans ces mondes ouverts, le meilleur moyen est de faire un système de déplacement qui soit lui-même amusant, faisant ainsi de la collection de trucs une conséquence plutôt qu'un but en soi, dirons-nous. Petite pensée au passage pour les gens de chez Insomniac Games, en charge du sol, du trafic et des piétons, deux éléments que je n'ai jamais regardés. Bah, quelqu'un devait faire le sale boulot, comme on dit, hein Et puis ensuite, il y a tout l'aspect Batman Arkham de la chose. Comprenez qu'on passe du temps dans les conduits d'aération, qu'on surplombe des zones en attendant que les ennemis passent en dessous pour les attraper, et qu'on se met sur la gueule avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Mais là ben c'est moins bien, car si le jeu reprend le système de combat free-flow qui avait fait le succès de Batman Arkham, il n'atteint jamais son degré de précision, de fluidité, de dynamisme, cette impression d'être en contrôle total de la situation. Dans Spider-Man, euh, ben c'est un peu le bordel en fait, dû à pas mal de petits éléments. Les zones de combat sont plus grandes et les dangers plus éloignés, il n'y a pas de bouton contre mais juste une esquive, les animations de Spider-Man sont plus aériennes et spectaculaires, ce qui rend le tout moins lisible et on a du mal à voir venir certaines attaques. Il y a certes des gadgets pour nous aider, mais les sélectionner nécessite de passer par un menu qui met le jeu en pause, cassant un peu plus la fluidité de la chose. Sans oublier que le jeu sélectionne lui-même l'ennemi sur lequel on va envoyer les gadgets pour un résultat assez frustrant, qui n'a finalement jamais réussi à me convaincre. Alors, que restera-t-il finalement de cette étrange relation de troupe Eh bien, les gènes de l'un étaient trop classiques à mon goût pour être mémorables, celle de l'autre souffrait de la comparaison avec son géniteur, donc ce qui reste, c'est... Pas Spider-Man en fait. Que ça soit l'excellent système de déplacement, les dialogues ou les relations entre les personnages, c'est ça qui va rester pour ma part. Mais je ne t'en veux pas d'avoir voulu me refiler des costumes secondaires immondes. Que ta deuxième partie semble avoir été rushée à cause d'un manque apparent de temps de développement. Que tes mini-jeux soient un peu nuls, qu'on voit venir ta conclusion à des kilomètres. Euh... Ah bon, l'aspect Spider-Man de Spider-Man était plutôt sympa, euh, quoi que cela veuille dire. Mais je vous recommanderais plutôt la trilogie des Batman Arkham, mieux aboutie sur certains points et surtout beaucoup moins cher. <laughs> euh... Je, euh, vous m'excuserez, j'ai, euh, j'ai quelque chose sur le, sur le, feu dans la, dans la cuisine. Euh, je, euh, non, j'ai rien dit. Euh, fausse alerte. <laughs> L'automne arrive et avec lui le rappel que l'inarrêtable marche en avant du temps qui passe finira par nous emporter, telle une brindille dans le vent. Hmm. La nostalgie qui s'en dégage est un phénomène fascinant, n'est-ce pas Tant de temps passé à jouer à des jeux vidéo. <laughs> Quelle activité formidable <laughs> Mais ça me donne presque le vertige de me dire que depuis que j'ai commencé, une trilogie entière de jeux Tomb Raider a eu le temps de sortir. On pas dire que les deux premiers m'avaient laissé un souvenir impérissable, mais je souhaitais boucler la boucle avec ce Shadow of the Tomb Raider. Un nom que j'affectionne particulièrement, puisqu'il suit une logique implacable. On a d'abord eu la pieuse de tombe, puis l'ascension de la pieuse de tombe, la fait s'élever plus proche du soleil, coupant ainsi ses rayons, avant qu'il n'atteigne le sol, créant ce que les scientifiques appellent une ombre, d'où le titre L'Ombre de la Pieuse de Tombe. Mais si vous pensez que cette blague était aussi nulle qu'inutile, eh bien vous avez... Tu gagnes du temps parce que t'as pas grand chose à dire sur le jeu, hein plouf mmh oui et non. la vacuité de l'existence est un thème sur lequel des pages et des pages ont été écrites au fil des siècles. cher public, il est clair, cependant, que la vacuité générale qui se dégage de ce shadow of the tomb raider est moins inspirante. mais j'avoue volontiers que cette série m'ayant tellement peu marqué, j'ai dû aller revoir ma vidéo sur l'épisode précédent pour me remémorer de quoi il s'agissait. Mais je dois dire qu'on peut voir apparaître un fil conducteur, des personnages oubliables ou possible, des gunfights inutiles et pas très intéressants, une intrigue sans queue ni tête, des incohérences sans pagaille, mais surtout une héroïne qui reste désespérée. Terne, récitant toutes ses répliques avec un mélange de désinvolture larmoyante et de molle résolution, tout en étant probablement la pire archéologue qui ait jamais foulé le sol de cette planète. Mais soit. Oui, tout ceci se retrouve dans Shadow of the Tomb Raider, qui lui aussi propose un scénario digne d'un téléfilm de série Z. Jugez plutôt. Dans le monde merveilleux de l'Amérique précolombienne, il était une fois une petite boîte argentée ainsi qu'un couteau doré. Vous prenez le couteau, vous le mettez dans la boîte et hop, vous obtenez le pouvoir de remodeler le monde Parce que pourquoi pas Mais vu qu'il serait bête que ces objets tombent dans les mains d'une organisation paramilitaire, Lara et son Sidekick.exe vont donc engager une course contre la montre au milieu de la forêt péruvienne afin de mettre la main dessus avant les méchants, le tout avec l'aide des bons sauvages du coin. Yeah! Vous vous souvenez quand j'avais dit que Rise of the Tomb Raider ressemblait à un agglutinement de toutes les mécaniques de jeu AAA sorties ces dernières années Eh bien il y avait un élément qui manquait à l'appel, c'était l'élément survival horror. Ce nouvel épisode corrige donc le tir avec des zombies précolombiens qui nous attaquent en meute pour un résultat toujours aussi. Mouais. Mais sinon, euh, niveau nouveauté, euh. Bah, je crois pas que j'avais remarqué l'écran de début qui rappelle qu'il a été créé par une équipe multiculturelle, euh, etc. Vous avez peur qu'on vous targue de, de, de raciste, Eidos euh, Montréal Est-ce que c'est le côté. Bonjour, cher peuplade primitive, je suis venu pour régler vos problèmes. Oh, je vois en plus que vous parlez super bien notre langue Non, oh, mais ne faites pas attention à moi, hein Je vais juste parcourir le village et dérober vos matières premières histoire de pouvoir augmenter mon pouvoir de destruction. Oh, vous avez aussi des objets de valeur oh, Super, je les embarque, c'est pour la science Bon, bah, je suppose qu'il est grand temps d'aller détruire un de vos temples sacrés A plus LOL Ah, ne vous en faites pas Tout ceci est trop improbable pour qu'on puisse en tirer des conclusions hâtives Par contre, je vous suggérerais d'engager un linguiste Quelqu'un pour vous expliquer qu'un peuple qui a vécu en autarcie des siècles durant ne peut pas communiquer sans problème avec une aristocrate londonienne Peut-être en fais-je trop sur le sujet, hein, mais je suis navré J'appelle cela du je foutisme linguistique ou de la fainéantise scénaristique. Mais en même temps, qu'est-ce que j'attendais d'un jeu qui s'ouvre sur ses deux protagonistes principaux étant sur le point de subir un accident d'avion mortel Five minutes later. Mais ils survivent finalement grâce à cette même fainéantise scénaristique. Le problème, c'est que je te qualifierais bien de gros nanar, Shadow of the Tomb Raider. Mais ton énorme budget de développement t'empêche d'entrer dans cette catégorie et donc de recevoir la sympathie qui en découlerait. Et puisque tu te prends grave au sérieux, battez t'es juste un jeu écrit avec le cul d'un éléphant d'un lama, restons dans le thème précolombien, enfin, ce qui ne change pas grand chose par rapport aux deux épisodes précédents hein, d'ailleurs, mais si vraiment vous êtes pris d'une insatiable curiosité vis-à-vis -vis de cette trilogie, bah c'est probablement celui-là que je recommanderais puisqu'il fait évoluer la formule dans une direction encourageante. La fréquence des combats aux flingues a clairement été réduite, ce qui est une très bonne chose, mais Lara ayant décimé les 9 dixièmes des troupes adverses lors des deux derniers volets, <laughs> il ne doit certes plus rester grand monde. Bien sûr, tout ceci suscite des questions sur le sens qu'ont toutes ces ressources que l'on ramasse pour améliorer un arsenal que l'on n'utilise presque jamais, mais bon. Appelons cela un dommage collatéral de cette évolution vers des éléments qui sont propres à cette série. Parce qu'il y a d'excellents moments dans le jeu, des moments qui lui sont propres. Typiquement lorsque l'on arrête de suivre cette trame ridicule et qu'on s'en va explorer les couloirs tortueux de la jungle péruvienne, ben on sent là un potentiel certain. Je dirais même que lorsque le jeu se base sur le triptyque exploration, grimpette et énigme, c'est un trio gagnant. Le grappin est certainement l'élément le plus réussi. Avec cette possibilité de faire du rappel au-dessus du vide, probablement la mécanique que j'ai préférée. La grimpette ne fonctionne pas trop mal, bien qu'un peu plus de souplesse dans les déplacements ne serait pas de trop, mais même si le jeu manque parfois de clarté quant aux éléments avec lesquels on peut interagir lorsqu'on grimpe, ce qui fait qu'on n'a souvent aucune idée d'où effectuer le prochain saut. Alors on tente notre chance un peu partout, jusqu'à ce qu'on trouve le chemin à suivre. Mais oui, tout ça marche bien, et tous ces bons éléments propres à la série se retrouvent à nouveau dans les tombes cachées et optionnelles qui surplombent une nouvelle fois le reste. Il y a quelque chose de fascinant à trouver une entrée minuscule cachée sur une falaise, suivre un sentier secret quelques minutes durant, en évitant les pièges, escalader plusieurs façades, longer une falaise avant de descendre en rappel au-dessus d'un gigantesque temple, se balancer au-dessus du vide, atterrir au bord d'un précipice depuis lequel on fait un saut de l'ange pour rejoindre l'entrée du temple et se prendre la tête quelques dizaines de minutes durant avec des énigmes bien fichues. J'aime bien ça, ça fonctionne. Et surtout, c'est. C'est. Cher public, c'est. Exactement, c'est point par point l'essence de la série d'origine. Grimper, explorer, résoudre des énigmes. C'est ça qui te rend unique, Tomb Raider. Cultive ta différence au lieu de vouloir ressembler aux autres, bon sang. Non, et engage un scénariste compétent aussi. Non, et puisqu'on est dans les recommandations, un petit peu. Mais vraiment, juste un tout petit peu de dérision te ferait le plus grand bien. Juste quelques instants durant lesquels tu te dises Oh bon sang, oh, c'est quand même n'importe quoi tout ça. Oh, oh. oh qu'est-ce qu'on se marre C'est tout et conscience de ce que tu es et rigole-en un bon coup de temps à autre. Je crois finalement que mon passage préféré du jeu était le flashback de Lara enfant, jouant à l'aventurière dans le jardin de son manoir. Parce que, bah c'est ce qu'est le jeu en fin de compte. Une fantaisie que se fait une enfant de 9 ans alors qu'elle joue toute seule dans le jardin, laissant veuguer son imagination. Au gré de son environnement. Lara l'aventurière arriva dans la jungle, remplie de dangers et d'animaux sauvages. Elle était, elle était venue pour retrouver la, la boîte à chaussures magique et euh, le couteau de cuisine maléfique, des objets si puissants qu'ils pourraient réformer le monde entier. Mais Lara l'aventurière allait devoir traverser beaucoup de pièges mortels si elle voulait retrouver les. Lara à table Manger, c'est nul. Et ça y est, si j'en crois la demande croissante pour que je chronique certains jeux, c'est parti pour le grand embouteillage des AAA de fin d'année! Alors, commençons par mettre quelque chose au clair. <coughs> Il n'y aura pas de chronique sur Assassin's Creed machin truc. Non, oh, ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'ils ont réussi à écrire des personnages intéressants ce coup-ci. Je suis sûr que les microtransactions présentes pour contourner l'inévitable grinding du personnage ne gênent en rien l'expérience de jeu. Sûr qu'entre ces nombreuses éditions différentes, vous avez su faire le bon choix. Sûr que le jeu s'est beaucoup amélioré depuis Origins et qu'il a été bêta-testé à mort. Sûr que tout ceci n'est pas de la magnifique poudre aux yeux surfant sur l'intérêt général pour la Grèce antique afin de refiler une nouvelle fois le même jeu. Je vous crois. Sur parole. Le problème c'est... bah que je m'en fous en fait. Si Assassin's Creed doit, comme une fatalité, venir occuper régulièrement le devant de la scène de mon passe-temps favori, jusqu'à ma mort, moi et mon syndicat nouvellement créé des influenceurs du gaming, dont la taille et les membres grandissent à vue d'œil, nous revendiquons une période d'au moins 23 mois entre chaque épisode. D'ici à ce que nos conditions soient acceptées, eh bien... Je suppose qu'on est en grève d'Assassin's Creed. Bien, restons donc dans le thème de la surexploitation d'une franchise par un éditeur sans beaucoup de scrupules avec Mega Man 11, un jeu qui, je suppose, est censé remettre Mega Man sur le devant de la scène. Une série particulièrement populaire à l'époque où j'étais petit. Mais cela fait longtemps maintenant, donc... Euh... Petite piqûre de rappel. Le salut les jeunes! Qu'est-ce que c'est qu'un jeu Megaman au temps de la NES, me demandez-vous? Ne voyez ça comme ça. Megaman doit se frayer un chemin à travers huit stages à faire dans l'ordre que l'on souhaite, à la fin desquels se trouve un robot boss. Une fois le boss battu, Megaman absorbe ses pouvoirs qu'il peut utiliser pour les stages suivants. Sans oublier le plus important, Megaman tire toujours droit devant lui. Et... Bah, c'est point par point la même chose dans Mega Man 11 en fait. Cependant, le jeu propose d'arroser la formule d'une nouvelle mécanique avec un mode qui permet soit de ralentir le temps en pleine action, soit de charger des gros tirs de blaster. Mega Man 11 essaye donc de donner une sorte de coup de jeûne à une formule vieillissante en lui ajoutant un élément de gameplay. Mais tout ça. Tout ça sans beaucoup trop le déjà vu à Ménarine. Mais c'est le problème de Mega Man 11. Il manque cruellement d'ambition pour être autre chose qu'un énième jeu Mega Man. Terrifié qu'il semble être à l'idée de se détacher de ses aînés pour voler de ses propres ailes alors que c'est ce dont la série aurait besoin. Certains stages sont assez inventifs. La capacité à ralentir le temps est une bonne idée. Mais il y a toujours les mêmes problèmes de frustration dans les stages contenant beaucoup d'éléments qui tuent instantanément. Mega Man tire désespérément droit devant lui. Et les stages ont beau être plus longs et variés, ils ne dégagent rien de bien novateur. Qui fait qu'on a juste l'impression de jouer à un jeu Megaman de la NES avec un aspect audiovisuel remis au goût du jour et une ou deux mécaniques en plus. Non, oh, et bon sang la musique. Qu'est-ce qu'elle est. Les Megaman de la NES étaient synonymes de tryhard, et Megaman 11 reprend cet aspect et apporte aussi la satisfaction du niveau accompli après moult tentatives. Mais j'avoue avoir finalement laissé tomber au niveau de Torchman, avec cette vague de feu qui nous poursuit, et demande d'effectuer des enchaînements à la seconde près. Après y être mort plus de 60 fois, j'en sors avec le sentiment que les contrôles du jeu ne sont pas assez précis pour ce qu'ils demandent d'y réaliser. Avec un Megaman qui ne réagissait pas toujours lors de sauts au bord d'une plateforme, ou qui n'arrivait pas à sauter entre deux plateformes au-dessus de lui, la frustration a fini par l'emporter sur mon envie de Tryhard. Je m'arrête donc là, Megaman 11. Mais si la série vous intéresse, je vous recommanderai plutôt Megaman 2 et 3. Certainement ses meilleurs représentants. Plus accessible, plus précis, bien meilleure musique, moins de frustration, un des incontournables de la ludothèque NES. À mon avis, bien. Pour rester dans le thème de la réactualisation de formules datant de la NES, je vois que... Je, je, je n'ai pas de montre, mais surtout que j'ai semble-t-il le temps nécessaire de vous parler de The Messenger, un jeu qui s'inspire cette fois-ci de la série des Ninja Gaiden. Alors réussit-il à remettre ses mécaniques au goût du jour sans arrière-goût de vieux ne, Voyons voir ça. Mais d'abord, rebonjour les jeunes. Alors c'est quoi que Ninja Gaiden Me demandez-vous n'est bien appelé Shadow Warriors en Europe, il est l'un des premiers jeux à avoir popularisé le concept narratif de cinématique. Non mais je m'égare. Alors, résumé en gros, plateforme action ninja, un coup de katana balaye instantanément ce qui se trouve devant nous. Le ninja colle au mur lorsqu'on saute contre. Il a des projectiles à disposition en quantité limitée et la distance du saut ne dépend pas de la vitesse du personnage. Oh, c'est putain d'oiseaux vous voilà renseigné, jeune gens. The Messenger prend donc ses principes et, comme Mega Man 11, y ajoute une mécanique supplémentaire. Lorsque l'on frappe un objet ou ennemi en plein saut, cela octroie la possibilité d'effectuer un deuxième saut. Et c'est sur cette idée de base que le jeu se développe. Côté scénario, eh bien, on incarne le le, le, le messager, voyez-vous, membre d'un clan de ninja, dernier survivant de la race humaine, qui un beau jour est attaqué par des créatures démoniaques. Sauvé in extremis par un mystérieux guerrier, il se voit confier la tâche d'amener un parchemin vers un temple au sommet d'une montagne, Un bon gros prétexte pour nous faire traverser des zones les unes après les autres, qu'on se dit. Mais c'est là où The Messenger se distingue de Mega Man 11, par exemple. Il nous fait croire à un énième jeu de plateforme action en pixel art avec un prétexte comme motivation, mais parvient à se réinventer en cours de route, dans un twist surprise de milieu d'aventure qui est représentatif d'un autre élément surprenant du jeu. Il est vachement bien écrit. C'est drôle, c'est malin, c'est intelligent, c'est surprenant. Et j'aime la manière dont il ne laisse jamais rien au hasard et brise le quatrième mur. Comme par exemple lorsqu'il justifie le fait qu'on puisse réapparaître après notre mort ou ce magasin avec ce vendeur mystérieux et hilarant dans lequel on se téléporte pour améliorer nos compétences et qui s'avère être... Non, je ne souhaite pas vous spoiler la chose. Autant au niveau des mécaniques, du feeling dans les déplacements et les actions, que du level design ou du rythme, The Messenger est une impressionnante réussite. À tel point que j'ai dû gratter pour lui trouver des défauts. Il hmm, n'y a pas de possibilité d'attaquer vers le haut, ce qui s'avère frustrant dans certaines situations. Hmm, le bestiaire aurait pu être un peu plus fourni et varié. La musique est souvent excellente et épique, mais parfois tellement expérimentale et cacophonique qu'elle sonne presque comme... Deux types bourrés qui s'amusent avec leur programme de cheap tune et sur la deuxième partie du jeu, j'ai trouvé qu'ils tiraient un petit peu en longueur. Ce qui est surtout dû aux nombreux allers-retours qu'ils nous obligent à faire. Mais sinon, je n'ai pas grand-chose à te reprocher de Messenger. Tu es aussi surprenant que brillant. Donc, au final, ce qui différencie fondamentalement ces deux jeux est que le premier semble tétanisé à l'idée de toucher à des sacro éléments qui pourraient modifier la formule empruntée à ces modèles. Quitte à finalement ne jamais s'en détacher suffisamment pour ressembler à autre chose qu'une sorte d'hommage. Efficace, certes. Fidèle, certes, mais qui jamais ne parvient à surprendre ceux qui ont joué au jeu d'époque. Alors que le deuxième, quant à lui, semble emprunter respectueusement les principes de gameplay fondamentaux de son modèle, puis à partir de là, se résout à tracer son propre chemin avec courage et voler de ses propres ailes pour un résultat qui fait finalement fructifier avec brio les mécaniques de base de son modèle. En d'autres termes, l'un fait du vieux avec du vieux, mais qui a l'air neuf, et l'autre fait du neuf avec du vieux. Mais qui a l'air vieux. C'est pour cela que je vous recommande The Messenger, brillamment planifié, exécuté et écrit. Certainement ma bonne surprise de cet automne. Je souhaite commencer cette chronique en clarifiant certains éléments. Oui, cette personne existe bel et bien et n'est pas juste le pur produit de mon imagination. Ne me demandez pas pourquoi ou comment, je n'en sais rien, mais je ne m'en plains pas. Non, ceci n'est pas un dinosaure, mais un dragon pur race. Et sachez qu'à chaque fois que vous l'appelez dinosaure, il passe de longues minutes à pleurer. N'avant de se souvenir qu'il avait en fait faim. Et enfin, non, je ne déteste pas les jeux multijoueurs. Je me souviens avoir affirmé qu'entre un jeu solo et multi, mon cœur ira presque toujours au premier. Mais je maintiens cette affirmation. Mais les jeux multijoueurs sont plutôt quelque chose que je goûte occasionnellement, à petite dose, lorsque l'un parvient à titiller ma curiosité. J'ai certainement, comme vous, un jeu multi vers lequel je reviens régulièrement. Et en ce moment, c'est flaque de pu. Mais il est vrai que je refuse qu'un jeu multi accapare mon temps de jeu de manière excessive. Je n'ai d'ailleurs pas non plus grand chose contre Call of Duty même si j'ai eu un sacré ras le à l'époque d'Advanced Warfare. C'est pourquoi une pause Call of Duty de 4 ans était la meilleure chose à faire pour que ma curiosité soit requinquée. Namenez donc ce Call of Duty Black Ops... Vous savez, Activision, je conçois que la numérotation romaine suit une logique bien à elle, mais euh, Je suis censé lire ça comment Black Ops i-i-i-i Très 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 1-1-1-1 un, 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 un Bar-bar-bar-bar euh, va pour barbare barbare. -bar. Donc après avoir enchaîné des campagnes solo d'une qualité, euh, pff, disons variable, Activision a simplement décidé de la dégager de Call of Duty. Mentionnant que puisqu'ils étaient confrontés au fait que les gens ne jouaient pas au solo, ils auraient pu, petit 1, refaire une campagne solo oubliable utilisée principalement pour marketer le jeu. Petit 2. Se sortir les pouces, repenser la chose et proposer une expérience à laquelle les gens auraient envie de jouer. Et petit 3, non et puis merde, on n'a qu'à faire un battle royal. Le reste appartient à l'histoire. Enfin je suppose. Black Ops Barbare Barbare est donc constitué de trois modes de jeu, et je ne vois pas d'autre moyen que de vous en parler l'un après l'autre. Alors, c'est parti <laughs> Voici comment je résumerai mon expérience. Je spawn, je cours devant moi, je vois un type, on se tire dessus mutuellement, je meurs. 5 secondes d'attente, je respawn, je cours devant moi, quelqu'un me tire dessus dans mon dos, je meurs. 5 secondes d'attente, je respawn, je cours devant moi, quelque chose explose, je meurs. 5 secondes d'attente, je respawn, je cours devant moi, je vois un type, on se tire dessus, je le tue. Je me mets à couvert, quelqu'un me tire dessus dans le dos, je meurs. 5 secondes d'attente, je respawn, je cours devant moi, je croise deux types, je meurs. Fin de la partie. Non a gagné non, Un plaisir d'avoir pu contribuer à cette victoire en équipe alors il y a bien différents modes de jeu, hein mais ils offrent finalement tous une expérience très similaire. Quelles qu'étaient les règles, on arrivait toujours à quelque chose que je qualifierais d'amusant, mais trop concentré, trop frénétique, trop intense pour avoir l'impression de contrôler quoi que ce soit. Aucun kill n'était source de plaisir, puisque suivi d'une mort instantanée, et tout allait simplement trop vite pour que je puisse apprécier la chose, ou même la comprendre. En d'autres termes, j'étais nul. Donc la question est et j'ai envie de m'améliorer. Eh bien le matchmaking semblait quasi inexistant, le système d'XP donne un avantage aux joueurs de plus haut niveau, renforçant l'impression de déséquilibre lorsqu'on débute. Donc pas vraiment en fait. Mais mon avis n'étant pas très constructif, j'ai demandé à un ami, amateur du multi de longue date, ce qu'il en pensait. Mais pour lui, entre les épisodes futuristes bordéliques, le retour inutile à la deuxième guerre mondiale, et la mode du battle royale, ce multi tombe à pic puisqu'il ranime les sensations ou la structure des maps de Modern Warfare. Et ça c'est vachement cool. C'est vrai que j'étais nul à Modern Warfare, maintenant que j'y pense. Euh... Le mode zombie est ce qui se rapproche le plus d'une campagne solo en réalité. Il y a même une histoire. Une histoire que... Euh, je sais pas. On incarne un de quatre personnages, le vieux, le balaise, le français et la meuf, à la recherche d'une relique diabolique et... Euh... Bah tout à coup des vagues de zombies leur tombent dessus. Je sais pas, est-ce un de ces trucs avec du lore où les gens doivent interpréter des éléments cryptiques distillés au compte-gouttes par le jeu Possible. Mais le concept d'une histoire dans un mode que l'on ne peut gagner me laisse un peu... sceptique. Grossièrement, sur une des trois maps faites de couloirs étriqués, 4 si vous avez le season pass, on démonte des vagues successives de zombies qui ramènent des points, points que l'on peut dépenser ensuite pour débloquer de nouvelles zones sur la map, ou alors de nouvelles armes pour buter plus de zombies avant de mourir. Rigolo. Pendant quelques parties, puis finalement très limité dans son concept, les vagues de zombies sont les mêmes à chaque partie, les petites phrases inutiles que lâchent les protagonistes sont insupportables, mais surtout les problèmes de la en jeu ou de connexion au serveur ont fini par plomber l'expérience. Une expérience amusante d'abord, mais rapidement redondante, frustrante et oubliable. Sans parler que mes amis n'avaient aucune envie d'y jouer. Donc c'est peut-être leur faute. Je sors de ce mode zombie avec une seule question en tête. Ben pourquoi pas plutôt jouer à Left 4 Dead Mais ben je vous le demande. Contact Contact 145 à gauche du meu ah non, c'est juste un buisson! <laughs> le genre du Battle Royale est intéressant dans le fait qu'il est encore peu exploité et renferme beaucoup de potentiel. Mais j'avoue que pour moi, le Battle Royale est quelque chose de coopératif. Je n'y vois jusqu'à présent pas d'intérêt seul. On a donc laissé tomber Flak depuis un moment pour s'essayer à ce mode Battle Royale de Black Ops barbare barbare. Bar. Cette phrase ne veut rien dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Battle Royale c'est en gros plein de joueurs qui se répartissent sur une grande map, commencent par trouver de l'équipement et des armes pour ensuite essayer d'être le dernier survivant. Et c'est la même chose ici A tel point qu'on a l'impression qu'ils ont regardé Flaque de Pu et certainement Fortnite, mais on fait une sorte de mélange des deux, avec le gameplay de Call of Duty. Mais en y jouant, des questions nous revenaient constamment en tête. Pourquoi dans Flaque de Pu chaque affrontement est source de tension extrême et là non Pourquoi la pression peut nous faire perdre nos moyens et là non Pourquoi on se sent tellement concerné. Et là, on est juste en mode MDR. Qu'est-ce qui fait la différence bah pas mal de petites choses. Cela va au-delà du fait qu'on ne puisse même pas créer son avatar. Je crois que ce mode est beaucoup plus arcade, plus léger. La puissance des coups de feu n'est pas la même, le rythme est plus élevé et les parties plus rapides, ce qui réduit la tension créée par le vide. Les impacts de balles sont beaucoup moins crus, beaucoup moins durs. Looter des bons objets est bien plus facile. Il est impossible de récupérer des gilets par balles sur les cadavres, ce qui pose problème en endgame. Je lui donnerai de bons points pour ses véhicules amusants à utiliser, ainsi que son système d'upgrade temporaire. Mais autrement, bah je ne vois pas pourquoi y jouer, alors qu'il y a une meilleure alternative. Alternative ailleurs qui fait la chose mieux. En gros, elle est bien la campagne solo. Ah, euh, y en a pas ce coup-ci. Ah non Non, c'est la même chose que la dernière fois, mais il mais y a un battle royal à la place. Ah oui Mais t'as vraiment dépensé 65 balles pour ça euh, euh... <laughs> Je l'avoue, la campagne solo me manque dans ce Black Ops barbare barbare. Bar. Car finalement c'était ce qui donnait une espèce de cohésion aux différents modes de jeu, ce qui façonnait la personnalité de chaque Call of Duty. Là je suis face à une expérience extrêmement fragmentée où chaque mode existe indépendamment de l'autre, mais à qui il manque finalement une identité autre que juste... Bah Call of Duty avec un battle Royale Sans entrer dans le problème des serveurs ou du tick rate, bah c'était sympathique par moment. Mais soyons honnêtes, vais-je continuer à y jouer Eh bien, avec deux modes qui sont en concurrence avec des alternatives plus captivantes et un mode qui me demande d'être bien meilleur que ce que je suis pour y trouver satisfaction, mais sans vraiment me motiver à m'améliorer, j'ai bien peur que la réponse soit non. Sans rancune, Call of Duty Black Ops Barbar Barbar. Bar c'était sympa de te revoir quelques jours, mais il nous faut maintenant nous séparer, car c'est ainsi que nous trouverons notre rédemption. Bah ben c'est ce qu'on appelle un gros morceau. Je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps de trouver ma rédemption. Presque autant qu'une semaine de travail chez Rockstar Games en plein crunch, apparemment. Là, Red Dead Redemption 2 nous rappelle que bien souvent, les jeux vidéo sont le produit de développeurs qui mettent en péril leur santé physique et leur situation familiale. Pour que des gens comme moi puissent s'en plaindre sur internet. Rockstar Games s'est d'ailleurs forgé une sacrée réputation de merde dans ce domaine. Oui, les frères Hauser, et surtout Dan, semblent être des accros au travail tyrannique, donnant leur vie en offrande aux jeux dont ils chapeautent le développement, mais attendant officieusement la même chose de leurs employés. Alors. Faut-il boycotter leur jeu à cause de ça Ben Les plus de 17 millions d'unités vendues de RDR2 montrent que les gens s'en tapent ou n'en ont strictement aucune idée. Parce que Red Dead Redemption 2 est un de ces jeux qui atteint un public au-delà des amateurs habituels de jeux vidéo. Des gens qui aimeraient bien jouer plus, mais n'ont pas le temps. Et ne finiront certainement jamais ce RDR2. Et c'est un peu là qu'on voit les limites criardes de l'idée que l'évolution des jeux vidéo doit se faire du côté de la taille et du contenu. Et non pas de l'intensité ou de l'organicité de l'expérience. Mais avec des joueurs qui se comportent parfois comme des banquiers d'investissement. Investissement, ne voyant dans les jeux vidéo qu'une simple relation entre argent investi et temps de jeu, tout ça n'est pas prêt de s'arrêter. Oh voilà. Alors oui, en termes de taille, de contenu, de quantité de travail, de valeur de production, d'aboutissement technique, RDR2 est le produit vidéoludique le plus impressionnant auquel j'ai jamais joué. A avec avec lequel j'ai jamais interagi, dirons-nous. Hein. En termes de jeu maintenant, eh bien... Eh bien, c'est une autre histoire. Donc, le jeu se passe en 1899 et a pour but de nous raconter la fin du Far West et sa loi du plus fort, avec la reprise progressive du contrôle de l'État sur ses terres. On incarne Arthur Morgan, membre d'un gang de hors-la-loi qui vit d'arnaque ou de braquage et emmené par le charismatique Dutch von der Linde. A la suite d'un casque qui a mal tourné, le gang vit reclus dans les montagnes enneigées en attendant que l'orage gouvernemental se dissipe. Leur objectif tout au long de l'aventure va être de gagner assez d'argent afin de pouvoir abandonner tranquillement et en toute impunité leur vie de hors-la-loi puisqu'ils savent leur mode de vie condamné. Et... bah, bah c'est à peu près tout en fait. Ils arrivent dans un nouvel endroit, commencent à filouter pour gagner de l'argent, finissent par avoir les yeux plus gros que le ventre, et se retrouvent dans l'obligation de déménager pour commettre les mêmes erreurs. Alors je ne dis pas du tout que le jeu est mal écrit hein, juste que Dan Hauser et Michael Unsworth sont de très bons scénaristes pour écrire personnages et dialogues, moins pour écrire des trames intéressantes et cohérentes. Combien de fois Dutch répète-t-il « Juste un dernier casse et on arrête » Ça en devient presque comique au bout d'un moment. Je conçois que le thème de la loyauté est au cœur du jeu, et que Dutch est charismatique et convaincant. Mais ça n'évolue pas sur plus de 40 heures de quêtes qui deviennent prévisibles, et ont tendance à beaucoup se ressembler. Un mix de cheval, de cinématique, d'action contextuelle, de dialogue, de dialogue à cheval, de cinématique à cheval, d'action contextuelle en cinématique. À cheval, né de fusillades assistées. Et puis parfois, c'est mémorable, comme lorsque l'on va se prendre une cuite au saloon, ou lorsque l'on effectue une virée nocturne dans les bayous, avec de l'eau jusqu'au cou de laquelle se dégage une tension folle. Mais une nouvelle fois dans un jeu Rockstar, ce sont pour moi les quêtes et personnages secondaires les plus mémorables, vu que c'est là que les scénaristes semblent se lâcher un peu plus. C'est ce qui donne du corps à l'univers, un grain de folie. Comme aider l'inventeur de la chaise électrique à trouver son premier sujet d'expérimentation qui résulte en un dialogue savoureux avec le dit sujet ligoté sur le dos de notre cheval. Non, je parle, je parle, mais pas beaucoup du gameplay. Alors, appuyons sur X. <laughs> Ah, je trouve ma blague très drôle. Alors, c'est quoi le problème, ou plutôt le, le parti pris, du gameplay de Red Dead Redemption 2 Bah c'est qu'il est presque totalement assujetti à la narration. C'en est presque un effet secondaire. On n'effectue pas des choses qui racontent une histoire, ensuite une histoire qui nous demande parfois d'effectuer des choses, si vous voulez. C'est un peu l'antithèse de Breath of the Wild, en fait, ou de Metal Gear Solid 5. Mais parfois même, ben bah, le gameplay et narration se rentrent méchamment dedans, comme lors des fusillades. Les mécaniques nous disent de looter les cadavres au sol, mais le nous hurle dessus de nous dépêcher d'avancer. Parfois, ce ne sont que des mots. Parfois, un de nos acolytes meurt. Moi, ça dépend. Mais le tout est toujours entrecoupé de trajets à cheval. Mais l'inconvénient, bah, c'est qu'un cheval n'est pas une voiture. Il est difficile de proposer un gameplay fourni et amusant avec un cheval. C'est probablement pour ça qu'il existe des tonnes de jeux de voiture et aucun jeu de cheval. Enfin, si. Mais on est plutôt dans un ersatz de Tamagoshi. Mais c'est aussi le cas ici. Hein. Lui donner à manger, le brosser, le caresser, devenir copain. Mais concrètement, durant les trajets à cheval... Bah, on se fait chier! Ce qu'il y a de mieux à faire est de passer en mode cinéma, où il faut juste rester appuyé sur X pour aller d'un point A à un point B. Mais au bout d'un moment, Bah, on se demande même pourquoi doit-on appuyer sur X? Parce que sans ça, on passerait le plus clair de son temps, la manette posée sur le sol? Bah, probablement. Je trouve ça amusant de voir que dans son objectif de réalisme, le jeu renonce bien souvent à être organique. Il nous fait croire à des éléments de RPG, alors qu'en fait non! Notre campement a besoin de nourriture et de ressources. Ok. Mais que se passe-t-il si on ne lui en apporte pas? Bah, rien. Ou du moins rien que j'ai remarqué. Il nous fait croire à des environnements réactifs, mais en fait pas du tout. Une mission nous demande de brûler des champs pour ennuyer quelqu'un. Puis quelques missions plus tard, on doit retrouver des ennemis cachés dans les champs. Peut-on leur mettre le feu pour les forcer à sortir Ben non, vu que le jeu il avait juste prévu ça dans la mission d'avant. Voilà. Mais j'ai trouvé cette manière de procéder frustrante à la longue. Il est inutile d'espérer se sortir d'un casse de bon incognito, même s'il en a tout effectué à la perfection. Pourquoi bah Parce que le jeu, il avait prévu que la mission se termine par une course poursuite à cheval. Inutile d'espérer sortir d'une mission d'infiltration sans être repéré, car le jeu avait prévu d'y organiser une fusillade en plein milieu. Quoi qu'il arrive Enfin Infiltration. Suivre les instructions d'un type tout en lui reniflant le derrière pendant 10 minutes. Tout est à la fois énorme, ouvert, fourni, varié, et tellement rigide et planifié. En fait, les seuls qui viennent mettre quelques grains de sable dans les rouages sont les animaux, qui amenaient un peu de folie bienvenue dans certaines situations. Mais sinon, bah le jeu il a tout prévu pour toi. Point. Et il te laisse faire des petites actions de temps en temps parce que bon, t'as une manette entre les mains. Mais sinon, tu suis et tu fermes ta gueule. RDR2, il est là pour s'exprimer. Eh, bah, j'ai bien aimé, hein, moi, jouer à Red. On enfin, va suivre Red Dead Redemption 2 de manière vaguement interactive pendant qu'il faisait ses trucs. Mais il faut dire que moi, bah je peux me permettre de me lever le matin en me disant aujourd'hui, je vais jouer toute la journée. Et sans que ça pose problème Enfin, t -t tout dépend de ce qu'on définit comme problème. Je dirais que c'est pas vraiment un jeu auquel on joue, plus un jeu dans lequel on se perd, qui se substitue à notre vie quotidienne. Tout est tellement lent, tout demande du temps. Un peu comme dans votre vie à vous, en fait. Devriez-vous jouer à Red Dead Redemption 2? Ben ça dépend. Avez-vous huit heures à disposition pour un jeu qui va délibérément vous faire perdre votre temps par souci de réalisme Acceptez-vous de vous ennuyer par souci d'immersion De passer 25% de votre temps à regarder un cheval qui court? Dans ce cas, pourquoi pas Vous aimerez certainement Arthur Morgan et son fatalisme nonchalant face aux difficultés de la vie. Vous aurez la tête qui tourne devant une telle immensité et le nombre incalculable de combinaisons de touches à retenir suivant les situations. Vous pesterez lorsqu'en voulant vous adresser à des gens, vous dégainerez votre arme sans le vouloir, mais vous ferez tirer dessus. Et surtout, vous découvrirez comme moi qu'une pince est le nec plus ultra durant les trajets à cheval. Grâce à elle, vous ferez coexister la vie quotidienne de Red Dead Redemption 2 avec votre véritable vie quotidienne remplie de banalités qui ne peuvent malheureusement être résolues en appuyant sur X. Ouais... C'est à nouveau cette période de l'année où plein de gros jeux sortent en même temps, ne rencontrent pas le succès espéré, personne ne sachant pourquoi, avant d'être immédiatement soldés lors du désormais habituel Black Friday. Euh, faites ce que vous voulez, chers éditeurs de jeux vidéo. Le marketing et la planification, c'est votre spécialité. Moi, je ne pouvais parler que d'un de vos produits cette semaine. Mais le plus facile pour faire son choix est de procéder à des éliminations. J'ai donc éliminé d'entrée Fallout 76, car depuis sa présentation, il s'agissait là d'un projet qui flinguait le bouc à plusieurs kilomètres à la ronde. J'ai éliminé également Battlefield machin, car la série est devenue synonyme de 5 à 6 heures de spectacle pyrotechnique fascinant, laissant place à un bordel généralisé vite et intemporel. Restait ainsi Hitman 2 et Pokémon... Let's go. Mon choix s'était initialement porté sur le premier, auquel j'ai joué, que j'ai terminé. Mais... Euh, bah vous avez joué à Hitman Voilà. Alors, c'est un peu plus de la même chose. Un aspect que j'aurais pu trouver problématique en d'autres circonstances, mais quand on connaît son contexte de développement chaotique, le fait que le jeu soit sorti et s'avère très bon est en soi un petit miracle. Je suis content que Hitman 2 existe. Mais si vous souhaitez une analyse plus détaillée, ma vidéo sur Hitman 1 est toujours disponible. Et ne voyons pas bien quoi dire d'autre. Ma curiosité s'est donc tournée par défaut vers Pokémon Let's Go. Je m'en suis donc allé au magasin, le cœur rempli d'excitation. Bien le bonjour. J'aimerais acheter Pokémon Let's Go, s'il vous plaît. Bien sûr, souhaitez Souhaitez-vous la version Evoli ou Pikachu Euh. Je n'ai pas la moindre idée de qui ou quoi est Evoli. Par contre, le truc jaune là me rappelle quelque chose. Je vais prendre Pikachu. Euh, Souhaitez-vous prendre la version qui inclut un accessoire en plastique parfaitement inutile Qui peut être remplacé par le bouton A oh, Ça ne coûte que 50 balles de plus Euh. La version normale fera parfaitement l'affaire. Bonne journée Alors, bienvenue dans le monde merveilleux des Pokémon c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu. Dans ce fabuleux contexte, le jeune garçon dénommé Plouf quitte prématurément son foyer familial pour s'en aller rencontrer le professeur Chen. Un professeur qui étudie les Pokémon. Que fait-il exactement Ben c'est. c'est vague, il. Euh, il les étudie. Il, il, fait des, il fait des études dessus. Euh, vous voyez Accompagné comme toujours par son gentil rival, le dénommé. Débilos. Plouf reçut enfin son premier Pokémon des mains du professeur, un Pikachu dénommé petit machin à la suite de quoi le jeune plouf parti pour il a là il 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 y a des Pokémon! Je l'avoue, j'ai un gros problème avec l'univers de Pokémon, du moins dans ce jeu. Je n'y crois pas! Je n'y crois pas une seule seconde! Il manque de cohérence et de profondeur ou d'autodérision et de folie! Plus d'un agglutinement d'éléments purement fonctionnels, formant un tout qui à aucun moment ne me donne l'impression qu'il pourrait s'étendre au-delà des limites du jeu, ni même d'ailleurs se suffire à lui-même! Ce qui est un peu chiant pour un RPG! Alors, qu'est-ce que le jeu nous demande de faire? Ben. Ben, c'est un peu confus, je dirais. Je dirais qu'il y a des Pokémon. Le sentiment que j'ai eu est que l'univers de Pokémon se considère comme allant parfaitement de soi. Alors que moi, bah, j'aimerais bien savoir des choses. Genre comment fonctionne l'économie, comment les gens sont arrivés à un tel niveau d'évolution technologique en retirant les enfants de l'école aussi jeunes, sans avoir besoin d'une structure sociopolitique, bah, ce genre de truc. Et ça, le jeu, bah, il semble s'en foutre royalement. Il y a des Pokémon. Bref, alors on quitte notre village natal, on emprunte les sentiers dans lesquels le jeu nous barricade et on... Bah on attrape des Pokémon durant des phases d'attrapage qui requièrent une dextérité sans faille. Il faut ainsi attendre que le petit cercle soit au bon endroit pour lancer la balle, éventuellement balancer au Pokémon un fruit ou deux pour l'amadouer, et... Bah des fois ça marche, des fois pas. Voilà. Et puis bien sûr on a les combats de Pokémon. Cela s'effectue grâce au bon vouloir de centaines de clones qui... Bah qui sont là. Sont là à ne rien faire au milieu de nulle part et attendent patiemment notre venue histoire de pouvoir enfin remplir leur destinée. Et puis sur notre chemin se développe une simili-intrigue qui évolue principalement grâce à des rencontres fortuites avec Debilos dans les différentes villes du jeu. Une intrigue qui inclut la Team Rocket. Et la Team Rocket Ils sont méchants. Que font-ils Eh ben c'est difficile à dire, mais mais ils sont méchants. Si j'ai bien compris, leur plan démoniaque a pour but de contraindre des scientifiques à créer des Pokémon surpuissants pour dominer le monde. Comment exercent-ils la contrainte Ben grâce à. ben grâce à leurs Pokémon. Je sais pas, mais j'en tire quatre questions sérieuses sur l'univers de Pokémon. Numéro 1. Y a-t-il un organe comparable à un état qui serait en mesure de rédiger et faire appliquer des lois Numéro 2. Existe-t-il un organisme dont l'objectif serait de faire respecter la loi, quitte à recourir à la force physique si nécessaire Numéro 3. Puisqu'il semble que les Pokémon ne peuvent s'en prendre qu'aux autres Pokémon, comment peut-on menacer des personnes avec des Pokémon Et numéro 4. Les personnes de l'univers Pokémon sont-elles capables d'établir un contact physique entre elles Parce que la contrainte par les Pokémon, au bout d'un moment, il y a une partie de moi qui se dit que ce dont aurait besoin la Team Rocket, c'est... c'est d'une bonne vieille répression par la force physique. Je vais te faire goûter à ma batte de baseball, moi, espèce de salope... hum... <coughs> Mais je dois quand même dire qu'en comparaison avec Pokémon X, j'ai trouvé les combats de Let's Go plus amusants. Lorsque le jeu nous demande de nous sortir les pouces, ben je peux entreapercevoir un système de combat qui doit offrir une profondeur et une exigence conséquente. Ce qui génère la question de savoir ben pourquoi le jeu nous fait-il combattre tant de fois contre des adversaires tellement inférieurs qu'ils ne nécessitent que de spammer le bouton A jusqu'à ce qu'on puisse leur raqueter leurs thunes et leurs Pokéballs Et le tout dans le seul but. Bah de grinder ses Pokémon. C'est un peu lourd quand même à la longue, non Maintenant, c'est quoi le but de Pokémon Let's Go Pikachu Est-ce que c'est cette histoire de ligue Vaincre la Team Rocket Ramasser tous les Pokémon Tous ces éléments Aucun d'entre eux C'est comme si tout était une quête secondaire que j'ai débloquée par hasard. Je Il y a des Pokémon Je sais qu'il y a des Pokémon, j'ai remarqué. Certains de leurs noms sont d'ailleurs malins et rigolos. <laughs> Tentacruel. <laughs> Mais sinon, je dois faire quoi Ramasser des Pokémon. Mais pour faire quoi Te créer une équipe de Pokémon. Mais pour faire quoi Gagner des combats de Pokémon. Ok, mais qui mène à quoi À devenir un meilleur dresseur de Pokémon. et Dans quel but Devenir meilleur que la Team Rocket, par exemple Comment on bat une team avec des Pokémon En gagnant des combats de Pokémon. Et ces arènes, c'est quoi C'est pour devenir champion de Pokémon Il faut que je devienne champion si tu veux, oui. Ou alors tu peux attraper des Pokémon. Mais pourquoi faire Pour avoir plein de Pokémon. Mais dans quel but Remplir ton Pokédex. Et que se passe-t-il une fois qu'il est rempli Ben tu as trouvé tous les Pokémon. Hein, ah, pour l'amour de. Ok, Pokémon, let's go. Peut-être que ma curiosité m'a joué des tours. Peut-être n'était-ce pas une bonne idée de retenter l'expérience Pokémon avec toi. J'aurais dû te laisser pour les fans et les joueurs de Pokémon Go. Ça n'est pas cette fois-ci que je comprendrai comment ou pourquoi tu as des millions d'adeptes à travers le monde. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Alors la prochaine fois que sortira. Hein RPG Pokémon officiel, je tenterai une dernière fois ma chance et percerai ton mystère qui m'échappe ou renoncerai à tout jamais. Ah, la dernière chronique de l'année, avec les vacances de Noël qui pointent le bout de leur nez. Mais j'ai d'ailleurs remarqué que j'avais peut-être tendance à être un peu plus clément envers les jeux que je critiquais à l'approche des fêtes. Mais il faut croire que le contexte dans lequel on joue influence obligatoirement notre ressenti. Mais je lève les mains au ciel, hein, je pense en effet que j'ai tendance à me relâcher un peu à l'approche des fêtes. L'envie de terminer l'année sur une bonne note, peut-être. Mais il faut lire que ce type-là m'a fait passer un automne des plus mouvementés, engendrant retard et... Euh, euh... Encore plus de retard. Mais alors, afin d'évacuer un peu la pression, le candidat pour la dernière chronique de l'année était tout trouvé. Mais c'était just cause 4. Oui, j'aime le feu, j'aime le chaos, j'aime la destruction. Virtuel. Pour le moment, l'on en vous emballait des flammes qui se propagent, des structures qui s'affaissent, de la foule en émoi. moi. Que voulez-vous Il faut croire que la bêtise est moi. On est fait pour s'entendre. Donc Rico Rodriguez est de retour, un agent secret que les dictateurs du monde entier craignent beaucoup plus que les Nations Unies. Mais cette fois-ci, il s'en va dans le pays sud-américain de Solis, un pays sous le joug d'une dictature militaire à laquelle une résistance essaye de ben de résister. Un dictateur que l'on aperçoit au début du jeu puis qu'on revoit brièvement à la fin, ce qui vous donne une idée de l'importance de tout l'aspect narratif de Just Cause 4. Un bon gros prétexte pour faire exploser des trucs dans tous les sens avec un petit twist qui est que le dictateur en question a développé des armes capables d'influencer et de contrôler la météo. C'est con, c'est pas très intéressant, mais au moins ça n'a pas la prétention de schtroumpfer plus haut que son schtroumpf. Comme on dit. Just cause 4 ne s'en cache pas, ils sont aptes de nous raconter quelque chose. Ou d'être techniquement au point, par ailleurs. Je ne suis pas du genre à Considérer la technique comme la panacée de l'expérience vidéoludique, mais ouh, ouh, ouh hein, quand on sort de Red Dead Redemption 2, hein, bah ça pique un petit peu. Hein. Mais bon, tous les problèmes de clipping, de flou ou autre animation faciale inexistante ne m'ont pas dérangé plus que ça. Cependant, le jeu a une gestion des lumières qui est dégueulasse, en particulier pendant les quelques cinématiques qui font d'ailleurs chuter le framerate de manière vertigineuse. La lumière rend certaines zones des visages ben blanches, un peu comme s'ils si avaient d'énormes plaques d'eczéma blanchâtres sur la gueule, ce qui est bah ben, dégueulasse. Je sais pas quoi dire d'autre. Dégueulasse et parfaitement inutile, pendant qu'on dit mais on ne joue pas à Just Cause 4 pour sa technique, juste pour tout faire Pété. Alors, je vais être honnête, hein, mes premières heures ont été synonymes de déception. Parce que c'est quand même Just Cause 3, mais sans les mines à détonation en quantité illimitée. Et c'était pour moi ce qui faisait tout le sel du 3. Cette manière d'encourager non seulement la destruction, mais surtout sa mise en scène. Hein, ce qui ne veut pas dire que le jeu n'encourage pas la mise en scène de la bêtise. A la place des mines, on a un grappin amélioré qui offre toujours la possibilité d'attacher deux éléments entre eux et de les faire converger l'un vers l'autre. Pratique pour observer les containers de carburant en pleine période de reproduction. Oh, un spectacle fascinant! Mais surtout la possibilité d'attacher des ballons ou des réacteurs sur les trucs! Just Cause 4 souhaite donc que l'on expérimente la manière dont les trucs réagissent au moteur physique en leur donnant des impulsions, mais pas forcément dans le but de les faire exploser! Alors maintenant, on ferme les yeux et on imagine si ces nouveautés avaient pu se combiner avec des mines à détonation manuelle. Et on fait tous. L'autre nouveauté est la météo capricieuse. Elle a... ben... Ben, je, je vois pas le but de cet élément en fait. Avalanche Studio a quand même construit un moteur capable de gérer une météo dynamique en temps réel sans donner l'impression de véritablement intégrer la météo au tout. Prenons la tornade. Mais c'est sympa une tornade. Mais ça détruit des trucs une tornade. On aime les tornades. On aimerait bien l'utiliser pour détruire une base ennemie. Ben, la tornade, on peut la lancer que depuis un seul endroit sur la map. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais je passe pour un abruti. Mais que ça soit les tempêtes de sable, les orages, les tornades ou les blizzards, ben. Bah, je vois pas comment m'en servir de manière amusante. Ce qui me fait me demander, à quoi bon développer tant d'outils pour créer des catastrophes naturelles en temps réel sans donner aux joueurs la possibilité de les utiliser véritablement à sa guise Je sais pas, je comprends pas bien ce que tu essayes de faire, Just Cause 4. Je peux d'ailleurs comprendre hein, que certaines personnes n'y voient aucun intérêt. Un jeu où on se balade et expérimente des trucs comme Point d'Orgue Un jeu dans lequel on détruit des trucs C'est vrai C'est con. J'aime bien ce qui est con. D'ailleurs, le charme d'une série comme Just Cause n'est pas vraiment la destruction en elle-même, c'est la possibilité de... de composer le chaos, d'expérimenter la bêtise sans avoir à en subir les conséquences. Ça n'intéresse pas Just Cause 4 de simuler une vie à soliste, de nous montrer une population réactive. La population est juste là pour qu'on puisse voir ce qui arrive si on attache trois réacteurs sur quelqu'un et l'attache au sol avec un grappin. Spoiler? Non, ben c'est vachement rigolo. Les animaux sauvages ne sont pas là pour simuler un écosystème, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe si jamais on décide de les décorer de magnifiques ballons, qui les emmèneront. Oh. quelque part, sans doute. Et tout est optimisé pour qu'expérimenter soit marrant, pas profond, pas prenant. Juste. Marrant. Une sorte de mélange entre le plaisir que l'on prend à regarder les dominos tomber les uns après les autres et celui d'interrompre leur chute en donnant un grand coup de pied dedans. <laughs> Même les personnages du jeu semblent être conscients d'être dans un jeu vidéo, dans lequel les enjeux finalement ne sont qu'un prétexte pour s'amuser. Je n'essaye pas de défendre le jeu sur ces points-là, hein. Cependant, je me dois de le défendre sur ses déplacements. J'adore les déplacements du jeu. Une fois qu'on en a intériorisé la physique complètement pétée, se déplacer sur la map est une réelle source de plaisir. Ce qui pose bien sûr la question de savoir à quoi servent les véhicules. Bah, c'est simple, ils servent aussi à faire mumuse. C'est sympa, une jeep. Mais ne serait-ce pas plus sympa avec des réacteurs accrochés aux roues Au sommet d'un gigantesque immeuble <laughs> Oui. Mais tu es charmant, Just Cause 4. Mais je suis un peu déçu par ta météo dynamique, par l'aboutissement technique plus que questionnable, par le manque de nouveautés marquantes, par le. Oh, mais je me fous de tes critères esthétiques ou de tes exigences techniques, de tes histoires grandiloquentes prétendument pleines de sens ou de tes personnages soi-disant complexes. Je t'emmerde ah, <laughs> euh, moi aussi je t'emmerde Just Cause 4, moi aussi je t'emmerde. Ça n'est pas pour autant que tu recevras ma recommandation ce coup-ci. Par contre, reçois toute ma sympathie. Tu es une sorte d'anachronisme rendu attachant par le fait que tu ne ressembles en pas grand chose à toute la production actuelle. Tu es le dernier représentant du style bac à sable décomplexé, relique d'une époque où le jeu vidéo en monde ouvert était avant tout pensé comme un terrain d'expérimentation. Et tu es un jeu qui me rend un petit peu nostalgique. Car vois-tu, je doute fortement qu'on ait droit à un Just Cause 5, même si le jeu se termine sur un cliffhanger qui le laisse suggérer. Parce que même pas dix ans après avoir racheté Eidos, Square Enix a lentement entrepris deux se débarrasser de toutes les licences de ce catalogue. Et Just Cause est, à ma connaissance, la dernière qui subsiste. Pas pour longtemps, j'en ai peur. Donc, faisons des adieux, espérons prématurés à Just Cause, ode merveilleuse à la bêtise et au chaos, mais à travers lui à toute la philosophie bac à sable qui semble avoir fait son temps. Et faites place aux 35 itérations de jeux à super héros Marvel en monde ouvert, parce que ça, oh ça, ça va être rentable du feu de Ploufman.